Oh, mi awa iba janiye, iba bo shishe akbatani. Oh, mi awa iba jani, iba bo shishe oshushile. Oh, mi awa iba janiye, iba bo shishe akbatani. Oh, mi awa iba jani, iba bo shishe oshushile. Oh, mi awa iba jani, iba bo shishe akbatani. Oh, mi awa iba jani, iba bo shishe oshushile. Omi awa iba janiye, iba bo shishe akbatani. Omi awa iba jani, iba bo shishe oshushile. Omi awa iba janiye, iba bo shishe akbatani. Omi awa iba jani, iba bo shishe oshushile. Omi awa iba janiye, iba bo shishe akbatani. Omi awa iba jani, iba bo shishe oshushile. Omi awa iba jani. Bonsoir à tout le monde, Otep à tout le monde, Jumbo à tout le monde. Les amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver sur notre chaîne Causons d'Afrique, votre chaîne pour notre émission L'Invité. Les amis, vous savez, tous les vendredis à partir de 21h ou 21h30, ça dépend de notre invité, de la personne que nous recevons. Nous consacrons une heure et demie, les amis, pour justement débattre, discuter, échanger, partager de bons moments, les amis, d'accord, sur un sujet qui concerne le peuple noir. Les amis, aujourd'hui, c'est avec beaucoup d'émotion, en tout cas en ce qui me concerne, que je fais cette émission, que je suis avec vous. Pourquoi, les amis? Parce que nous recevons notre maman, d'accord? Quelqu'un qui a contribué et qui continue de contribuer à l'éveil du peuple noir. Quelqu'un qui a sacrifié, je pense, hein, elle nous le dira sans doute tout à l'heure, sans doute une partie de sa vie, peut-être une partie d'un certain nombre de plaisirs, en tout cas, pour se consacrer. Parce qu'à chaque fois, hein, les amis, quand on se plonge dans cette histoire de communauté noire, quand on se plonge en tout cas dans un travail qui participe ou qui contribue à l'éveil du peuple noir, c'est toujours un sacrifice parce qu'il y a tellement de choses à faire qu'au final, on est obligé de faire un choix. Donc, on reçoit, les amis, notre maman pour la première fois sur notre chaîne, notre maman Ama Mazama. D'accord ? Elle va intégrer le panel tout de suite, d'accord ? Mais avant ça, j'aimerais vous demander de partager massivement. D'accord, parce que ce n'est pas tous les jours que nous recevons, d'accord, des personnalités qui œuvrent pour notre peuple, d'accord. Ce n'est pas toujours que nous recevons de grands noms, donc que tout le monde partage massivement. Parce que le message de ce soir, les amis, aura forcément une importance capitale pour nous tous, même ceux qui se présentent aujourd'hui comme très éveillés, comme Kémit et autres. Je pense que ce message-là, qui, quelque part, sera un peu dans la continuité du discours qu'on avait hier par rapport à l'estime de soi, etc., du peuple noir, c'est un message qui nous permettra, sans doute, d'accord, de mieux percevoir les choses, de mieux comprendre ce que nous, on appelle notre mission de vie, d'accord, à travers, sans doute, d'accord, l'exposé de notre invité. Les amis, on va partager massivement. Sur tous les réseaux sociaux, vous allez partager massivement. D'accord ? Parce que peut-être que le message que vous allez entendre ce soir, c'est la première fois, d'accord ? Peut-être pour vous que vous entendez ce message-là. Moi, en tout cas,
venant de notre maman Amamazama, ça sera la première fois. Donc, je vais également essayer de jouer le rôle de l'animateur, d'accord, poser des questions, même si derrière, je vais aussi tendre l'oreille pour bien écouter, pour mieux écouter, d'accord, et pourquoi pas pour prendre des notes. Donc, les amis, on va faire comme moi, d'accord, on va partager, on va liker massivement, et puis ensemble, avec beaucoup de cœur, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de tout ce que vous avez à donner, les amis, nous allons recevoir notre invité, notre maman, Ama Mazama, que je vais intégrer tout de suite sur notre plateau. C'est parti. Otep, Otep, Otep. Est-ce que l'image est bonne? Je ne sais pas. Elle est très bonne. D'accord, excellent. Très bien. Super. Donc, merci de me recevoir. Merci à toutes et tous. Super. Super. Les amis, voilà. Donc, vous l'avez vu, vous la voyez, d'accord? C'est du réel sur la chaîne Causons d'Afrique. Voilà. D'accord? On essaie de faire les efforts pour vous présenter quand même des invités de qualité. Sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. D'abord, en commençant par une présentation. D'accord? Je ne vais pas m'arzarder, moi, à présenter notre invité. Je pense que le CV est tellement long. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde la connaît, mais il y a des points importants, sans doute, qu'on ignore. Donc, je vais laisser le soin à notre invité, d'accord, avec l'appui de nos ancêtres méritants, de se présenter à tous ceux qui la connaissent et à tous ceux qui ne la connaissent pas. Qui est Ama Mazama? Bon, Ama Mazama est plusieurs choses, en tout cas plusieurs responsabilités. La première, je dirais que je suis maman de 3 enfants. C'est très, très important pour moi. Je suis pérate d'Afrocentricité internationale, c'est-à-dire donc responsable, dirigeante, leader de l'organisation Afrocentricité internationale, qui existe maintenant depuis une dizaine d'années, qui est présente dans une trentaine de pays et qui justement a été créée pour prendre la relève de l'organisation de Marcus Garvey quelque part. Je suis aussi professeure et d'Africologie et d'études africaines américaines dans une université aux États-Unis. Je suis aussi directrice du département d'Africologie depuis le 1er juillet, donc ça a ajouté à mes responsabilités. Et puis, je suis bien sûr une militante activiste, parce que j'estime que c'est bien de savoir, mais que si l'on n'agit pas en fonction de ce que l'on a appris, si nos connaissances restent juste théoriques et ne se traduisent pas en des actes concrets, justement pour changer la condition des nôtres, eh bien, vraiment, ça ne sert à rien. C'est donc, voilà, je suis une activiste, une militante, afrocentrique, panafricaine. J'ai écrit, édité ou traduit 25 livres, dont justement Le message au peuple de Marcus Garvey. J'ai traduit Les dossiers d'Isis de Francisco Swalsing. J'ai produit des livres pour nos enfants, Le socle africain, qui est un livre qui a été traduit en plusieurs langues, 3 volumes. Il y a aussi les religions africaines. L'impératif afrocentrique, religion et renaissance africaine. J'ai produit une encyclopédie en 2 volumes justement sur la religion africaine, une encyclopédie sur les études noires, un livre sur le paradigme afrocentrique et mes premiers travaux quand je me suis lancée dans la recherche scientifique étaient sur la langue guadeloupéenne. Et les liens qu'il y a entre la langue guadeloupéenne et les langues du continent africain, du continent particulier d'Afrique centrale, Kikongo, Kimbundu, etc. Donc, ça fait une trentaine d'années que je suis sur le terrain vraiment à me battre pour permettre aux nôtres de reprendre un peu leur bon sens, de retrouver leur bon sens. Et c'est à ce titre aussi qu'en tant que PERA, donc en tant que président de l'Organisation Afrocentricité Internationale, nous nous sommes embarqués dans la construction d'un temple, un temple ancestral pour la Renaissance Kamite en Côte d'Ivoire, et dont nous avons posé la première pierre au mois d'avril dernier. Si. Donc voilà, j'ai peut-être oublié des choses. Ah oui, j'ai oublié quelque chose quand même de fondamental. Je suis aussi prêtresse vaudou, je suis Mambo.
initié en Haïti et au Bénin. Et j'ai aussi éduqué, mais je n'ai pas envoyé mes enfants à l'école, je leur ai enseigné, j'ai fait leur éducation à la maison, si vous voulez. Ok, super. Je pense qu'il y a énormément de points qu'on va justement aborder au regard justement du CV. Je dois dire juste une chose, je suis une Africaine de la Guadeloupe. Super. Et ça aussi, c'est important pour moi parce que j'aime beaucoup la Guadeloupe. On aime tous la Guadeloupe. Super. Avant d'aller plus loin, tout à l'heure, vous avez parlé d'afrocologie. C'est quoi précisément? L'afrocologie, c'est, c'est l'étude afrocentrique de tout ce qui concerne les Africains. Donc, c'est les fruits, parce que nous estimons que ce qui se présente le plus souvent comme étude de l'Afrique ou des Africains, etc., en fait, c'est une approche eurocentrique. Donc, c'est à partir du regard des Blancs, si vous voulez, que l'on nous regarde et que nous-mêmes, nous nous regardons. Et ça se fait sous couvert d'éducation où ils nous apprennent leurs théories, ils nous apprennent leurs concepts et nous utilisons ces théories, ces concepts pour nous analyser nous-mêmes sans nous rendre compte. En fait, nous ne sommes pas européens. Et que le regard que les Blancs portent sur ce qu'ils regardent ne peut pas être le nôtre parce que nous avons une autre vision du monde, une autre culture, en fait. Donc, à l'Université à Tempo, nous avons donc développé ce programme de doctorat, maîtrise et doctorat en africologie, qui est l'étude afrocentrique des phénomènes africains. Wow. Magnifique. C'est vrai qu'à la différence de l'Europe, par exemple, où, à ma connaissance, en tout cas, il n'y a pas ce genre de discipline là, dans les universités, est-ce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les universités, où il y a des universités qu'on va cataloguer comme étant des universités de noirs dans lesquelles on retrouve ce genre de discipline, ou c'est un peu partout? Bon, c'est assez fréquent. Ce qui est moins fréquent, ce sont des programmes, des départements qui vont jusqu'au doctorat. Il y en a une quinzaine ou une vingtaine dans tous les États-Unis. Et paradoxalement, souvent, les universités noires ne ressentent pas le besoin d'avoir ce genre de département parce qu'ils estiment que comme c'est une université noire, que les étudiants, en fait, n'ont pas besoin de ça. Ce qui est vraiment fondamentalement faux. Ce n'est pas parce qu'on est noir ou même africain que l'on regarde, que l'on se regarde à la manière africaine, pas du tout, puisqu'on est, vraiment aliéné. On a été appris, sous couvert de nous éduquer, ils nous ont fait un lavage de cerveau. Et sous couvert d'être universel, sous couvert d'être objectif, ils nous ont imposé de façon insidieuse leur façon de voir, leur façon de faire, et ils ont réussi à nous faire accepter que leur façon d'être et de faire était la meilleure. Et que tout ce à quoi nous voulions aspirer, c'est en fait faire comme eux et devenir comme eux, sous prétexte que nous représentons l'avant des Blancs. N'est-ce pas? Si je parle en termes chronologiques, quand les Blancs ont besoin de savoir comment était leur passé, ils nous regardent, et donc on est qualifiés d'arriérés, on est qualifié de sous-développés. Quand ils sont gentils, ils disent qu'on est en voie de développement. Mais l'idée toujours, c'est qu'il nous manque quelque chose. C'est ce qui nous manque, en fait, c'est d'être comme eux. Donc, ils valident, n'est-ce pas? Ils doivent valider notre expérience. Et nous-mêmes, nous sommes embarqués dans ce paradigme-là. Donc, il nous faut changer ce paradigme-là. Parce que, surtout maintenant, on voit vraiment que l'Occident est en train de tomber. C'est ça. Et donc, est-ce qu'on a envie de tomber avec eux? Non, pas du tout. Donc, il faut qu'on se reprenne en charge, il faut qu'on réassume nos valeurs culturelles parce qu'on se rend compte que la chute de l'Occident est causée par la culture occidentale elle-même. Ce ne sont pas des gens méchants qui ont planifié de les génocider comme eux, ils font avec nous et avec d'autres. Ce sont leurs propres valeurs culturelles, leur matérialisme, leur individualisme, leur amoralisme, leur incapacité à se sentir vraiment connecté à la nature. C'est tout ça qui fait qu'aujourd'hui, ils sont dans l'état dans lequel ils sont. Et donc, nous, quelles sont nos valeurs culturelles en tant qu'Africains, et comment ces valeurs-là peuvent et doivent, en fait, guider notre existence. Ok,
Super. Mais j'ai une question par rapport à ça pour rebondir. Je n'entends pas, je ne vous entends pas. Ah oui, non, là, c'est bon, pardon, j'avais le micro fermé. Donc, Okay. je disais, tu me permets de te tutoyer? Pas de problème. Ok, donc toi qui vis aux États-Unis et qui as sillonné un peu partout le monde, j'ai envie de dire le monde noir, récemment j'ai suivi ton actualité, tu as été, je pense, avant d'aller au Sénégal ou après, tu as été d'abord en Côte d'Ivoire, je sais plus, avant d'aller au Sénégal. Oui, c'est ça. Voilà. Et J'étais donc en Côte tu... d'Ivoire. Comment? Oui, j'étais en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc toi qui es allé un peu partout et Ouais. qui vois aujourd'hui la réalité des Noirs américains, leur façon de penser, leur position vis-à-vis de l'Afrique, pour rester sur cette parenthèse-là d'aliénation, moi hier je disais, et j'ai tendance à dire que nous sommes des Lycodèmes. Mais pour pointer du doigt ce point-là, parce que malheureusement notre peuple refuse d'être lucide sur cette question-là d'aliénation. On pense par nous-mêmes, qu'on parle par nous-mêmes, qu'on agit par nous-mêmes. Or, il y a une grosse aliénation qui fait que malheureusement, dans tout ce qu'on va faire, il y aura toujours une part de l'écoderme dedans, même au niveau de la pensée, etc. Donc, toi qui vis aux États-Unis, qui vois un peu la réaction ou la pensée des Africains d'Amérique et comparé aux Africains d'Europe, comparé aux Africains du continent africain, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une partie qui est beaucoup plus aliénée qu'une autre, ou bien tous les Noirs, quel que soit l'endroit dans lequel ils vivent, ont quasiment le même type d'aliénation ou sont aliénés de la même façon? Bon, c'est une question intéressante. Je vais dire une chose par rapport aux Africains-Américains. D'abord, je pense qu'on est tous soumis au même mal, hein, qui est la suprématie raciale blanche et sa propagande féroce et très bien organisée. Et donc, l'on souffre du même mal. Est-ce que l'on en souffre au même degré? Ce n'est pas évident. Comment est-ce qu'on y répond? Les Africains-Américains sont probablement les plus éloignés culturellement de l'Afrique. C'est ça. Et ça peut se comprendre. Je pense que n'importe quel groupe d'Africains placé dans des conditions pareilles aurait été forcé de s'adapter, soumis à un discours anti-africain féroce et continu. Devant survivre dans un milieu extrêmement raciste et hostile, seraient devenus comme ils le sont. Ce que j'apprécie avec les Africains-Américains, ça je dois le dire, c'est leur lucidité quand même. Eh Leur oui. lucidité par rapport au racisme blanc. Que souvent nous, en Afrique, et dans d'autres parties de la diaspora que nous ne reconnaissons pas ou que nous refusons de nommer aussi ouvertement que les Africains-Américains. Tu vois? Et du fait qu'ils aient soient vraiment dans le ventre de la bête et qu'il ne leur soit pas possible de nier cette réalité de la méchanceté noire, blanche, de la cruauté blanche, etc., ils ont analysé, n'est-ce pas le racisme blanc, ils ont analysé cette bête. Là. Et ils nous ont proposé quand même des analyses qui sont très percutantes. D'ailleurs, Marcus Garvey, quand il quitte la Jamaïque, il arrive aux États-Unis, il arrive à Harlem et il s'installe à Harlem parce qu'il sent que c'est là que son discours, n'est-ce pas, Aura plus de sens. va pouvoir vraiment prendre l'ampleur qu'il a pris. Il n'a pas besoin de nous, il n'avait pas besoin de convaincre les Noirs qu'ils étaient opprimés. Tu vois? Et tu vas dans un pays comme peut-être la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Haïti, et tu vas dire aux Noirs qu'ils sont opprimés par les Blancs, ça passe pas. Pas du Ils tout. ne vont pas comprendre de quoi tu parles. Or, c'est bien cela. Le système, n'est-ce pas, qui fait que nous sommes dans cet état dans lequel nous sommes, est vraiment créé et maintenu et entretenu et alimenté par les Blancs. Même si on ne les voit pas
On ne les voit plus, mais ce sont eux, n'est-ce pas? Ce sont eux qui ont ce système-là en place, qui continue. Quand on va dans les, regarde les manuels scolaires en Afrique, dans la plupart des Caraïbes, etc., on voit ce qu'on apprend. Donc, tout ça, pour en venir aux Africains-Américains, moi j'apprécie justement, j'apprécie ce qu'ils nous ont donné au combat. Et quand on regarde, si tu veux, toutes les philosophies qui ont voulu nous guider, les idéologies pour nous donner des pistes de libération, la plupart sont sortis des États-Unis. C'est clair. Tu vois? Mmh. Ou de la Caraïbe. Mmh. Alors, du panafricanisme avec Blyden, avec Du Bois, je ne sais pas, Marcus Garvey, le nationalisme noir est sorti des États-Unis, sorti de la Caraïbe. L'afrocentricité est sortie des États-Unis. Avec le docteur Molefi. Voilà, est né aux États-Unis. Mmh. Et peut-être que ça ne pouvait naître que là. C'est clair. Je pense aussi, oui. Mmh. Voilà, donc maintenant, est-ce que les Africains-Américains peuvent nous donner plus que ça? Non, j'en doute fort. D'accord. J'en doute fort. Mais ces théories-là, ces idéologies qu'ils nous proposent, ces analyses sont extrêmement utiles. Et l'Afrique, les Africains sur le continent n'auraient pas pu penser comme ça parce que les conditions sociales, sociologiques sont un peu différentes. C'est clair. Donc, je vois que nous faisons un tout, nous formons une famille. Nous formons une famille. Bon, unie par son histoire, unie par sa culture, unie par sa biologie, unie par cette souffrance qui est la nôtre, cette aliénation qui est la nôtre, et unie dans le désir de s'en sortir. C'est clair. Mais par rapport à ça, si tu me permets, j'ai une question qui crée un tout petit peu de débat, d'accord, autour de nous dans notre cercle. Parce que nous, à cause d'Afrique, on a tendance à affirmer une chose au regard de, justement, je pense, du constat que tu viens de faire, parce qu'on partage également le même constat. Nous, on a tendance à dire, bon, tu donneras ta position, hein, d'accord, même si, voilà. On a tendance à dire qu'au regard de l'aliénation et ce manque de lucidité des Noirs, on a tendance à dire que la communauté noire, hein, n'existe pas. C'est vrai que on parle beaucoup, pour parler des Noirs, de communauté noire, peut-être pour essayer de s'identifier ou de vraiment présenter la chose pour comparer aux autres communautés qui, eux, selon nous, selon moi, sont réellement des communautés, mm-hmm. dans le sens de la définition du mot communauté. Quand on regarde chez les Noirs, on n'a pas cette même façon de voir. On n'a pas... on ne voit pas la définition de communauté en nous. Donc, nous, on a tendance à dire que pour l'instant, notre peuple n'est pas une communauté. On peut se présenter comme étant le peuple noir parce qu'on partage aujourd'hui quoi ensemble? Peut-être la même couleur de peau, mm-hmm. les cheveux, la texture des cheveux. Mm-hmm. Pour certains, ça va être manger africain ou mettre des vêtements dits africains et ça s'arrête là. Qu'est-ce que toi, tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'on peut quand même se présenter aujourd'hui comme une communauté ou que, effectivement, notre position est claire sur le fait que, pour l'instant, on n'est pas une communauté, que être une communauté, c'est un idéal vers lequel le peuple noir doit travailler, doit se battre pour y arriver? Bon, ta question soulève plusieurs points. On parle de communauté où? En Afrique, dans la diaspora, où? En Europe, où? Je pense que aujourd'hui qu'on parle des Noirs, c'est vrai qu'on a tendance à parler de tous les Noirs. Maintenant, on peut peut-être essayer de catégoriser par rapport aux différentes, aux différentes positions, mais je pense que même si on le fait, le constat sera le même. Bon, tu me diras si jamais ce n'est pas le cas. Je te laisse... Dans ce cas, je pense que c'est vraiment injuste. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'il y a une communauté chinoise ou qu'il y a une communauté indienne qui inclurait tous les Indiens, tous les Chinois qui sont dans le monde et en Chine et en Inde?
Pourquoi est-ce qu'on a cette attente-là par rapport à nous? Est-ce que c'est encore une fois pour nous décourager et nous dire qu'on n'est pas unis et que voilà, on n'en s'en sortira jamais? Est-ce que c'est ça l'idée? Je pense qu'il faut, il faut être raisonnable. Aux États-Unis, je sais qu'effectivement, il y a, bon, ils appellent ça la communauté noire, qui a cette divergence. Qui a cette divergence, mais qui va se retrouver autour de certains points, par exemple, violence policière blanche contre un noir qui tue, etc. On sera là. Ça ne veut pas dire qu'on voit, on est tous d'accord sur tout, mais on comprend bien qu'il y a des moments où on doit être là, on doit répondre présent parce que l'un des nôtres a été maltraité. Donc, je ne comprends pas bien la question. Alors, est-ce qu'en Afrique, on dirait donc la communauté noire, ce sont tous les noirs qui sont en Afrique et qui devraient faire corps? Qu'est-ce qu'on entend par là exactement? Je ne comprends pas. Je pense que ce serait difficile d'aborder ce point pour le continent africain dans la mesure où on n'est pas dans une diaspora. Donc, on est un continent, il y a tous les noirs, etc. Voilà. Mais même dans la diaspora, je vois, par exemple, je sais pas, si on prend l'exemple d'Haïti, par exemple, qui est à 95% noir, c'est quoi la communauté noire? Non, je pense que c'est pareil. En fait, pour moi, un territoire où on est en dans minorité. Voilà, où on est en minorité, cette question se pose. Où on est en majorité, la question ne se pose pas. D'accord. Donc, même si on pourrait essayer quand même de gratter des choses, mais en majorité... La question ne se pose pas, mais bien sûr. Maintenant, la question qui se pose, qui pour moi, qui est soulevée ici, c'est la question de notre conscience, n'est-ce pas? Assad a dit quelque part qu'il ne peut pas y avoir, que la conscience précède l'unité. Et la raison pour laquelle, donc justement, on doute parfois de l'existence d'une communauté noire, c'est parce qu'effectivement, nous ne sommes pas sur la même page du point de vue de notre conscience. Et c'est normal puisque nous sommes aliénés, n'est-ce pas? Et que certains d'entre nous se retrouvent plus avec les Blancs, d'autres avec ci, avec ça. Et puis qu'on nous a surtout inculqué une haine de nous-mêmes, une méfiance de ceux et celles qui nous ressemblent. Donc il y a tout un travail psychologique mental qui est fait sur nous en permanence. Donc ce n'est pas étonnant. Mais je pense qu'en même temps, il ne faut pas non plus minimiser la solidarité qui souvent s'exprime en notre sein. Il n'y a pas de communauté qui n'ait pas de divergence. Moi, je m'en rends compte. Parfois, j'entends des Chinois parler d'autres Chinois, j'entends des Indiens parler d'autres Indiens et je suis un peu stupéfaite. Je me dis, je pensais que c'était seulement nous. Mais non, eux aussi. Et peut-être qu'ils le cachent mieux que nous, leur divergence. Moi, je ne sais pas. Mais il ne faut pas non plus que... Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. On a l'impression que les autres, tout est bien pour eux, qu'ils parlent d'une seule voix, ils sont un seul homme ou une seule femme, tandis que nous, on est là dispersés à se chamailler. Je crois que c'est un petit peu plus complexe que ça, vraiment. Non, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que toutes les communautés ont leurs problèmes, ça, personne ne peut le nier. C'est vrai également qu'on n'a pas eu la même histoire ou la même trajectoire. Claire. Voilà. Mais aujourd'hui, quand tu définis une communauté, on va la définir comme un groupe de personnes qui partagent au moins les mêmes valeurs. C'est-à-dire que les mêmes valeurs, ce n'est pas forcément être d'accord sur tout. Il y a plein de points sur lesquels les gens peuvent ne pas être d'accord. Mais partager les mêmes valeurs sans forcément regarder les autres communautés, mais quand tu essaies un tout petit peu de comparer, ou même quand tu essaies de regarder ce qu'on a été par le passé, il y avait des valeurs qui faisaient qu'on appliquait, on arrivait à appliquer le principe du Ubuntu, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord. Parce qu'on considérait que la notion d'individu chez nous n'existait pas. Si c'est la notion de communauté, du un, donc du tout qui fait le un qui existe chez nous, c'est forcément au regard des choses qu'on partage ensemble. Par exemple, la religion ou la spiritualité, les valeurs, ce qu'on appelle grosso modo les valeurs traditionnelles, notre façon de fonctionner face à telle ou telle chose, des choses que nous avons perdues aujourd'hui. Maintenant, l'idée, c'est de dire ces choses-là, ces valeurs-là, ont fait de nous un grand peuple par le passé. Ce sont des valeurs sûres,
Parce que de la façon dont nous avons été conçus et la façon dont nous nous sommes organisés originellement, si je peux le dire, respectait un certain nombre de valeurs, un certain nombre de critères de fonctionnement. Et donc, revenir à ça, forcément, nous permettra de nettoyer un tout petit peu, peut-être totalement, j'en sais rien, ces parts d'aliénation en nous. Et puis, enfin, de nous regarder, de nous voir comme peuple. C'est-à-dire qu'on est en diaspora, on n'est pas chez nous, mais on ne se considère pas comme étant faisant partie, hein, de la grande communauté internationale. On sait qu'on est ensemble, c'est notre communauté, il y a des choses qu'on va partager ensemble, on va valoriser les choses de chez nous parce qu'on estime que si on ne le fait pas, ça met à mal notre survie quelque part, notre évolution. C'est aussi le fait de voir le monde. Et je pense que tu le disais dans ton livre que j'ai lu d'ailleurs, qui est Religion et Renaissance africaine. Tu as très bien dit dans une phrase, mais vraiment excellente, en disant que l'Africain ne voit plus le monde, ne sait plus voir le monde. Il ne voit pas également la notion de Dieu ou du divin chez lui. Je pense aussi peut-être que c'est, à mon sens, le fait qu'on n'arrive pas à redéfinir ces valeurs-là et à voir ces valeurs-là comme quelque chose qui nous unit et qui nous font en tant qu'identité, hein, qui pour nous font qu'aujourd'hui on estime qu'il y a un gros problème. C'est comme si on est plusieurs comme ça, éparpillés, séparés, hein. Il y a un truc au milieu qui est notre socle et on doit se retrouver autour de ça. Il faut que tout le monde, comme des aimants, se retrouve autour de ça pour qu'on fasse enfin une communauté, peut-être dans le sens de communauté, dans le sens africain, Ubuntu de la communauté, et pas forcément à comparer par rapport aux autres. Je ne sais pas ce que tu en penses. Absolument. Et c'est pour ça que c'est très, très important de créer des institutions. Là où nous sommes, partout où nous sommes, dans la diaspora ou sur le continent, nous devons créer des institutions. Tu vois? Et ce sont ces institutions-là qui vont nous permettre justement déjà d'avoir ce genre de conversation et ensuite de développer des programmes, n'est-ce pas, pour transmettre ces valeurs-là. C'est ça. Mais là, nous sommes vraiment livrés, pieds et mains liés à l'Occident. Quand, par exemple, je vois des parents qui vont déposer leurs enfants à l'école le matin et les récupèrent l'après-midi, vraiment, ça me fait vraiment beaucoup de peine. Je me dis, vous allez livrer vos enfants, leur âme, leur cœur, leur esprit à des gens qui vont les aliéner, qui vont faire qu'ils vont se mépriser, qui vont vous mépriser, qui vont les faire devenir de plus en plus blancs à l'intérieur. Ce qu'on appelle aux États-Unis des bounties, hein, les Oreos, c'est-à-dire que vous êtes noir dehors, mais dedans vous êtes blanc. C'est clair. Mais c'est parce que, et quelque part, c'est notre faute. Marcus Garvey le dit, il le dit, il dit, nous devons développer nos institutions. Les Blancs ont créé leurs institutions dans un but bien précis d'asseoir et d'assurer leur supériorité, leur domination, et que celle-ci ne soit pas contestée et contestable. C'est pour ça qu'ils nous donnent un Dieu blanc dans leurs églises, qui leur ressemble, qui est le chef, l'autorité suprême qu'on ne peut pas contester sous peine de blasphème. Et les autres jours, ils nous envoient dans leurs écoles, où ils nous apprennent que tout ce qui a été inventé, tout ce qui a été pensé, c'était eux qui étaient à l'origine de cela. Maintenant, il nous appartient de créer des institutions. Et je vais le dire d'ailleurs avec Afrocentrisme International et l'Institut Kenneth Mac, nous avons justement, pour remédier à ça, parce qu'il ne s'agit pas, on est toujours dans le constat, et c'est un petit peu fatigant, C'est parce qu'on clair. n'avance pas. On est toujours dans le constat. Je suis d'accord avec À mon avis, il n'y a plus rien à ajouter. Tout ce qui a devait être dit sur tout ce qui nous est arrivé, nous Tout arrive, a été dit, a ouais. été dit. Maintenant, il faut passer à l'action. Et donc, on est passé à l'action en créant justement un programme de maîtrise et de doctorat en chamitologie. C'est un programme en ligne où nous proposons aux frères et aux sœurs de les former correctement pour qu'eux-mêmes, maintenant, ils puissent former les autres, qu'ils puissent transmettre. Tu vois? Parce que le système éducatif est terrible. C'est vraiment terrible. C'est pour ça que je disais que je n'ai pas envoyé mes enfants à l'école. Parce que, voilà, il y a des gens qui disent, oh, je les envoie à l'école, mais je défais ce que l'école leur apprend, je parle avec mes enfants. Il y a ce Bon. discours-là. Oui, mais ça c'est pour se donner bonne conscience. Ah oui.
quand votre enfant est là entre leurs mains 6, 7, 8 heures par jour, 5 jours sur 7, Finalement, on les voit très peu, quoi. Donc, nous, on passe très peu de temps avec eux à la maison et ils passent plus de temps à Il l'école va avec se nous. faire. Mais ça, c'est ça l'idée. C'est pour ça que l'école est obligatoire. Parce qu'il y a plein de parents qui diraient non. Au début, d'ailleurs, les gens disaient non. Même quand les Blancs ont inventé ça à la fin du 19e siècle, leurs écoles, ils donnent l'école obligatoire. Vous avez même des Blancs qui se battaient avec la police, parce que la police venait prendre les enfants chez les Blancs pour les forcer à aller à l'école. Et les parents ne voulaient pas. Ils ne concevaient pas qu'ils ne verraient pas leurs enfants pendant toute la journée. Bon, maintenant, ça paraît tellement normal. On dépose le gamin ou la gamine, hein. On doit aller travailler parce qu'il n'y a pas le choix. On voit là, il y a maintenant ils ont le système inventé, un truc qu'on appelle des factures, Eh qu'ils oui. doivent payer. Et pour pouvoir payer les factures, il faut de l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut aller travailler pour eux. La Donc, plantation. la plantation, donc vous allez travailler sur la plantation, on vous donne l'argent, vous payez les factures, vos enfants vous échappent, ils sont dans des écoles où on leur apprend, vous ne savez pas quoi. Et on sait qu'il n'y a pas seulement ce qui est marqué dans les livres qu'on leur apprend. On leur apprend des tas de choses, on appelle le curriculum invisible, n'est-ce pas? On leur apprend à lever la main quand ils veulent parler, on leur apprend qu'ils sont en compétition avec les autres enfants, donc on n'a pas le droit de céder, ou si on ne sait pas, on ne connaît pas la réponse à un problème, on n'a pas le droit de demander aux copains à côté d'aider. Enfin bref, voilà, donc on commence à faire entrer les enfants dans ce mode occidental de comportement. On est C'est dans clair. la compétition, on est dans l'individualisme, on est dans le succès tel qu'il est défini. Donc, si vous avez de bonnes notes, vous êtes intelligent, si vous avez de mauvaises notes, vous êtes bête. Enfin bref, tout un système qui est leur système, n'est-ce pas? Et qui est là pour formater, nous formater. Pour qu'on fonctionne dans leur système et qu'on ne le remette pas en question. Tu vois? On C'est n'arrive clair. plus à penser de façon critique, on est comme des abrutis, en fait. C'est clair. Justement, par rapport à ça, c'est vrai que les amis, on a ouvert une grande parenthèse avant de rentrer dans le vif du sujet sur Marcus Garvey, même si je pense que, avec les éléments abordés, ça permettra de mieux comprendre justement le discours de Marcus Garvey. J'avais deux points pour vraiment pas qu'on oublie. Tu as parlé d'institutions et tu as parlé aussi de système éducatif. J'ai une question par rapport au système éducatif et après, je vais te poser une question par rapport justement quand tu dis il nous faut des institutions. Peut-être que tu en parleras peut-être vite fait et puis peut-être que tu vas plus développer dans le discours de Marcus Garvey ou si tu préfères développer dans le discours de Marcus Garvey, on le fera. Mais quand tu parles de système éducatif, c'est vrai que le fait, comme on disait, d'envoyer son enfant à l'école et de ne pas savoir ce qui est dit derrière, même si l'enfant essaie de nous faire comprendre que oui, on a dit ça à l'école, on ne sait pas complètement ce qui est dit, on ne sait rien de la façon dont il est éduqué. Et même ce que tu présentais, le système de notes, hein, il y a des notes, il faut être le premier, quand tu récites bien, donc quand tu fais un par cœur, tu récites. Tu es excellent, tu es considéré comme plus intelligent. Et quand tu n'arrives pas à faire un par cœur, tu es considéré comme bête. Sans parler du fait que la plupart des enfants noirs, on va tous les balancer en CAP parce qu'on estime qu'ils ne sont pas trop intelligents, etc., etc. C'est ça. La question que je te posais par rapport à ça, c'est comment on doit faire pour nous, dans la diaspora, ou peut-être même sur le continent, j'en sais rien. Mais qu'est-ce que tu préconises? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Je ne dirais pas la meilleure façon de faire. Je pense que c'est une grosse question. Mais comment on doit faire? Là, si tout de suite un parent t'écoute, qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Il n'y a pas de réponse simple, mais encore une fois, quand tu regardes l'expérience des Africains-Américains, qui justement étaient confrontés très tôt à cette question, ils se sont battus pour que leurs enfants aillent à l'école. C'était en 1954, gros procès qu'ils gagnent et tout, c'est la joie et tout. Et puis, 15 ans plus tard, ils se rendent compte que c'est la catastrophe. Leurs enfants vont à l'école des Blancs, ils ne reconnaissent pas leurs gamins, leurs gamines, les enfants font des choses bizarres, parlent comme des Blancs, pensent comme des Blancs. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent des écoles D'accord. afrocentriques, dans lesquelles ils déterminent ce que leurs enfants vont apprendre et comment les enfants vont, les relations entre enfants, les relations entre enfants et enseignants. Donc, ce sont des expériences très enrichissantes. Donc, ça veut dire quoi?
quoi, la réponse. Évidemment, si aujourd'hui une maman vient me dire, et ça m'arrive souvent, les gens viennent me voir, me disent ce que je fais, mes enfants, mais il faut qu'on s'organise. Il faut vraiment qu'on s'organise et qu'on crée des institutions éducatives pour nos enfants et pour nous-mêmes. Sinon, Mais tu penses qu'ils vont nous laisser faire quand on a vu la façon dont l'école panafricaine en Guadeloupe, je crois, a été bloquée, quand on a vu la façon dont ils font avec, là, ils ont voté une loi, je crois, il y a quelques mois, la loi sur le séparatisme, un truc comme ça, ils font tout pour communautarisme. empêcher, c'est ça, empêcher ce genre d'initiative. Est-ce que tu penses qu'on pourra, il y a moyen de... Je pense que justement, c'est là qu'il faut être créatif. L'éducation à la maison, par exemple, en France, n'est pas interdite, que je sache. Je sais que Macron essayait de le faire, il a utilisé l'histoire de Covid pour essayer, mais ce n'est pas passé. Il y a vraiment des initiatives qu'il faut prendre. Il faut voir comment on peut biaiser le système, justement, pour créer des espaces. On n'a pas besoin d'appeler ça école. Peut-être que le problème de l'école panafricaine de Guadeloupe, c'est qu'ils ont voulu faire leur école dans le système. Dans le système de façon officielle, présenter Voilà. la chose. Et donc, c'était inévitable que les Français allaient s'y opposer. Donc, la leçon que l'on doit retirer de cette expérience-là, c'est que justement, on ne peut pas procéder comme ça. Il faut trouver le moyen de biaiser. Est-ce qu'on peut créer une coopérative, par exemple, qui maintenant échappe, n'est-ce pas, à leur veto? Qu'est-ce que nos avocats peuvent nous dire? Quelle serait la meilleure formule sur le plan juridique pour qu'il n'ait pas prise, n'est-ce pas? Il doit bien y avoir des subterfuges, il doit bien y avoir Forcément. des façons dont on peut procéder pour avoir un groupe d'enfants noirs ensemble, qui apprennent ensemble, qui vivent ensemble, etc. Enfin, j'en suis convaincue. Je ne suis pas avocate, mais je ne suis pas juriste, mais je sais qu'il y a toujours moyen de. Donc, Y a toujours des failles quelque part, quoi. voilà, il y a toujours des failles quelque part qu'on peut utiliser contre eux. Mais essayer de faire dans leur système à eux, avec leur autorisation, non. Ça ne marchera Le pas. homeschooling n'est pas interdit, donc il faut voir sous. Tu vois, par exemple, aux États-Unis, justement, il y a beaucoup de parents noirs qui, comme moi, n'envoient pas leurs enfants à l'école et qui créent des coopératives. Leur enfant est techniquement éduqué à la maison, mais il y a des groupes de parents, d'enfants qui fonctionnent ensemble. Et parfois, ce sont les parents qui se relaient Pas mal. pour enseigner. Chaque jour, il y a un parent différent ou bien un parent qui est responsable d'une matière particulière, etc. Donc, il y a plusieurs façons de s'organiser. Mais continuer à envoyer nos enfants comme ça, dans la gueule du loup, ça ne va pas nous aider, hein, vraiment, non. Bon, d'ailleurs, on voit dans quel état on est. J'ai dit que plus on a de diplômes, plus on est aliéné, plus on est dangereux même pour notre communauté. Et oui, non, le mot est clair, dangereux, bien sûr. C'est Dangereux. vrai que en parlant de ça, ça donne beaucoup d'idées parce que il y a tellement de façons de s'organiser. Et c'est dans cette mesure-là, tout à l'heure, j'essayais de comparer avec les États-Unis parce que moi, j'ai l'impression, et nous on a l'impression ici, nous francophones, entre guillemets, si on peut se présenter comme ça, que les Noirs américains sont beaucoup plus en avance. Mais après, tu le disais, s'il y a un contexte éloigné du continent, ils n'avaient pas le choix, etc., etc. Mais c'est un peu comme si ils nous montraient le chemin à prendre, en fait. Peut-être qu'il n'est pas forcément parfait, mais ça reste quand même des pistes qu'on peut, même si le système n'est pas forcément le même, ça reste quand même des pistes qu'on peut, voilà. Absolument, absolument. Est-ce qu'on n'a pas le droit d'ouvrir une école privée? Moi, je ne sais pas comment. Parce que c'est ça, si c'est entièrement privé. Bon, maintenant, si vous êtes dans la démarche, vous allez demander des subventions, alors évidemment, voilà. Vous vous exposez justement à leur veto. Mais si c'est une affaire purement privée, si c'est même conçu comme une entreprise. Vous voyez? Parce que les écoles afrocentriques, c'est purement privé. C'est purement privé. Bon, il y en a maintenant qui sont des charters, donc elles fonctionnent mixtes et tout. Mais comme l'idée aux États-Unis, quand même, que les communautés ont le droit de s'organiser et justement de proposer des programmes éducatifs qui reflètent leur culture, etc.
Donc l'État américain ne peut pas s'opposer à l'ouverture d'une école afrocentrique. Contrairement au système français où c'est extrêmement hypocrite, où dès qu'il s'agit de se repenser, s'étudier, on est dans le communautarisme, comme si eux-mêmes ils sont pas en plein là-dedans. C'est clair. Mais c'est ça le petit côté vicieux de la France, en fait. C'est-à-dire Ouais, que on fait très comprendre vicieux. que ça y est. Et malheureusement, bon, c'est encore une autre parenthèse. Mélenchon, s'il passait, bon, c'est vrai que on avait tous envie de dégager l'autre. Mais voilà, il y a ce côté, on vous endort, on est tous ensemble, c'est l'humanité, on Non. vit tous, voilà. Et puis derrière, Ouais. ouais, malheureusement. Derrière, en fait, on vous empêche d'être vous-même. C'est Voilà. ça. C'est ça. Ils OK. voient que le fait qu'on veuille être nous-mêmes comme un danger. C'est étrange. En fait, C'est c'est pas clair. étrange, on les comprend, parce que ça menace justement le statu quo, ça menace l'intégrationnisme, l'assimilationnisme, ça menace l'idée qu'ils sont supérieurs, ça menace l'idée qu'ils sont universels, il ne faut pas remettre ça en question. Donc voilà. C'est Ce clair. qu'on va amener, ce que je veux aussi dire très clairement, c'est que les Africains aux États-Unis se sont battus et se battent toujours. Et ça c'est quelque chose qui me frappe un petit peu par rapport à la diaspora africaine en Europe. Je trouve qu'il n'y a pas justement assez de combat dans ce sens-là. C'est clair, oui, bien sûr. Non, je suis d'accord avec toi. Moi, la réponse que j'ai à ça, et je pense que tu le disais tout à l'heure par rapport aux Afro-Américains, moi, la réponse que j'ai à ça, c'est que le problème du noir vivant en diaspora ici européenne, c'est que comme il est proche du continent, il estime qu'il n'a pas de bataille à mener. Parce qu'il connaît d'où il vient, entre guillemets, il connaît la case du grand-père. Même quand on fait aussi des débats sur le kémitisme en général, c'est toujours la même chose. Il n'y a pas forcément, il n'y a pas une union, entre guillemets, ou une conversion, oula, une façon de converger, d'accord? Il n'y a pas ça. Pourquoi? Parce que bah, chacun va se dire, oh non, moi je suis tranquille, hein, je connais chez moi, je n'ai pas besoin de vos histoires. Si je veux parler de spiritualité, je vais chez la case du grand-père ou je vais au village, il y a les choses. Donc, on n'est pas en alerte, on n'est pas dans l'urgence. L'urgence dans le sens où il y a un problème, il faut le résoudre. Voilà. On est en mode peace and love. Quand on est en diaspora, on se considère comme chez nous. On peut rester ici des années, génération après génération, acheter ici, construire ici, bâtir ici, en se disant au final, bon, voilà. On vit ici, on a des enfants, on a des amis ici, on appartient quelque part à ce territoire. Je pense, à mon sens, que c'est ce qui, c'est peut-être la différence entre nous et les Africains d'Amérique. Je pense qu'il y a beaucoup de malhonnêteté. Il y a beaucoup de malhonnêteté et il y a aussi beaucoup de lâcheté. Oui, je pense aussi. Puis il y a aussi beaucoup d'irresponsabilité, quoi. C'est-à-dire que bon, moi je suis bien en France, j'ai ma maison, je suis peut-être même mariée à ma blanche. On a un chien, un chat, deux voitures, j'ai mon boulot. Le pavillon. Voilà, c'est bon, quoi. Mais quelle responsabilité on a vis-à-vis de l'Afrique? Et puis, on n'est pas accepté en tant qu'Africain, ce n'est pas vrai. Il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. On n'est pas accepté en tant qu'Africain, du tout. Vous êtes accepté, vous êtes toléré tant que justement vous jouez à l'assimiler au bon négro. Là, ça va très bien. Encore, ça va très bien. C'est une façon de parler. Mais à partir C'est du ça. moment où vous allez insister pour être vous-même, etc., là, le ton change rapidement. Le ton change rapidement. Et est-ce que ça ne vous gêne pas que vos enfants ne connaissent rien de leur histoire? Moi, Non. je connais une famille de Camerounais en Guadeloupe. Leurs enfants donc, sont nés en Guadeloupe. Et les enfants n'ont jamais entendu parler de Bamileke ou de Bassa, ils ne savent même Wow. pas d'eux-mêmes ils viennent. Donc voilà quoi. Et c'est des gens qui sont soi-disant conscients. Alors imaginez, a fortiori, ceux qui ne le sont pas. Et puis Ah dire que ma spiritualité, on ment. Nous mentons, nous ne sommes pas du tout dans notre spiritualité.
C'est pas tout d'aller dans la case ou village et tout. Quels sont les rituels que l'on fait avec nos enfants? Quelles sont les libations que nous versons pour nos ancêtres? Les offrandes, les sacrifices que nous faisons pour nos esprits, est-ce qu'on fait ça? Non, on ne le fait pas. Donc, c'est beaucoup de malhonnêteté, beaucoup de lâcheté, beaucoup d'irresponsabilité. C'est clair. Moi, je suis en Europe, j'ai réussi à m'échapper quelque part. Donc, ceux qui sont restés derrière, ben, qui se débrouillent. C'est ça. Et C'est. on rejette la faute sur les chefs d'État. Ah, c'est Ah clair. oui, ce sont toujours les chefs d'État, ils sont corrompus, et donc C'est ça. voilà. Et que si ça allait mieux, je rentrerais au pays, mais tant que ça ne va pas mieux, mais qu'est-ce que vous faites pour que ça aille mieux? Qu'est-ce que vous faites pour sortir ces chefs d'État corrompus, soi-disant? Vous faites quoi? Rien du tout. Ça, quelle est notre responsabilité? Qu'est-ce que nous faisons concrètement? Voilà, c'est ça. Là, je lance la balle, vraiment, je nous lance la balle. Je dis, c'est à nous vraiment à faire quelque chose. Et si chacun d'entre nous faisait quelque chose, je peux t'assurer que nous ne serions pas dans l'état dans lequel nous sommes. Mais ce sont toujours des excuses. Toujours, Toujours toujours. des excuses, toujours des excuses. Oui, ça fait 20 ans que je suis en France. Non, je n'ai jamais amené mes enfants au pays. Tu trouves ça normal? Aïe, aïe, aïe. Et les enfants, oui, ils ont voulu aller, mais je leur ai dit que ce n'est pas le moment. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont tous le même discours. Hein. Mais non, mais c'est ça. Mais ici aussi, aux États-Unis, c'est pareil. Je rencontre plein de Haïtiens, de jeunes, des étudiants haïtiens, ils ont 20 ans, 25 ans. Je leur dis, vous êtes déjà rentrés en Haïti? Non. Haïti, c'est à 3 heures de vol de Philadelphie, quoi. Il y a 4 vols par jour. Wow. Non, mes parents me disent non de ne pas Ce n'est pas aller. le bon moment. Voilà, non, ce n'est pas le bon moment. Et moi, je leur dis, non, il faut que vous y alliez. Vous avez vos racines là-bas. Allez voir l'état dans lequel votre pays est et voyez ce que vous pouvez faire concrètement pour alléger un peu la souffrance de votre peuple. C'est clair. Allez. Mais quand vous êtes planqué là, en Occident, en pensant que vous êtes au paradis, alors que c'est loin Ouais. d'être le paradis, C'est ça. parce que vous crevez dans la rue, personne ne va même s'arrêter pour vous regarder et vous aider. Donc, voilà, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on soit vraiment honnête. Non, c'est clair, c'est clair. Non, je te rejoins parfaitement parce que nous, on le voit aussi avec la structure qu'on a mise en place. On discute avec énormément de gens, mais c'est quasiment les mêmes phrases. Et les gens, on a compris. Et tu l'as dit tout à l'heure, et le mot que tu as employé pour moi n'est même pas fort. Il faut utiliser un mot beaucoup plus fort. Quand tu dis c'est une question de. Les gens sont malhonnêtes. Je pense que même. Il faut même prendre un mot au-dessus de ça. Les gens sont très, 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 plus que malhonnêtes. Et nous, quand on dit aux gens, attention, parce que les gens nous disent, je veux me reconnecter à la spiritualité, je veux entrer dans le kingdom, je veux, je veux, je veux. Mais nous, on leur dit, si vous venez dans l'objectif d'avoir des super pouvoirs ou d'avoir des choses, on vous donne et puis ça y est, c'est pas ici. Et quand on leur dit que chez nous, c'est 3 points. D'abord, il faut connaître ton histoire. Ensuite, c'est important, oui, les pratiques spirituelles, parce que, comme tu disais tout à l'heure, les libations, les offrandes, les sacrifices, etc., c'est important. Mais en troisième lieu, qui pour nous, on peut même le mettre au-dessus des autres, même si les autres sont très, très, très importants et très, très, très puissants. Le troisième point, c'est de se voir à travers la communauté. C'est-à-dire que, avant de quitter ce monde, il faudrait qu'on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu as fait pour ton peuple, qu'est-ce que tu as fait pour la communauté noire. À partir de là, tu peux te dire, je suis un kémite. Parce que tous les jours, il faut que je réfléchisse pour savoir qu'est-ce que je vais apporter au peuple noir, qu'est-ce que je vais apporter à ma communauté, que ce soit dans la diaspora ou sur le continent, qu'est-ce que je vais apporter. Je vis pour ça, je suis venu sur Terre pour ça. Et dès qu'on dit ce discours aux gens, les gens partent. Parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas tombés sur... le bon vaudouisant ou le bon prêtre initiateur qui va leur donner des choses et puis ça y est, ils commencent à sortir de leur corps la nuit. Et c'est dommage. C'est-à-dire qu'on veut recevoir sans donner. C'est ça. Or, ce n'est pas possible. La loi de la maths, c'est la loi de la réciprocité. C'est Un des clair. principes de la maths.
Vous n'allez pas recevoir ce que vous n'êtes pas prêt à donner. Et les esprits ne vont pas faire pour vous ce que vous n'êtes pas prêt à faire pour vous-même. Pourquoi est-ce qu'on sortirait de là où ils sont pour vous aider quand vous-même, vous ne faites pas tous les efforts possibles? C'est quand ils voient les efforts qu'on fait que là, ils viennent à notre secours. Quand ils voient la sincérité de notre cœur, que là, ils se disent, OK, je vais m'engager. Mais C'est sinon, clair. non, y a beaucoup d'opportunisme, beaucoup de charlatanisme. De gens qui utilisent l'abel du kémitisme ou kamitisme pour se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Il faut énormément d'humilité, il faut énormément de sincérité, il faut énormément de compassion. Comment, qu'est-ce qui est dans notre cœur qui fait que nous pouvons être aussi indifférents à la souffrance de notre peuple? Grosse question. Qu'est-ce qui nous est arrivé qui fait que nous sommes aussi indifférents, n'est-ce pas, à ce qui se passe chez nous, en Afrique, dans la diaspora, partout où nous sommes? Cette souffrance. Marcus Garvey disait que partout où il passait, il voyait que nous étions toujours en bas, en bas, en bas, en bas. Toujours à être opprimés, toujours à être méprisés, toujours à être maltraités. Ça, c'est pour lui, c'était un universel quelque part noir. Il disait ça il y a 100 ans. Aujourd'hui, on peut regarder encore le monde dans lequel on est. Où est-ce que nous en sommes? C'est clair. Et quelle est notre part de responsabilité dans cela? Pour moi, elle est Écoute. énorme. C'est-à-dire qu'on peut passer notre temps. Vous savez, moi, je parle toujours de suprématie raciale blanche. Mais, OK, mais on ne peut pas passer le reste de notre vie. Maintenant qu'on a compris le problème, qu'on a compris que les gens qui sont en face de nous ne sont pas nos amis, qui ne nous veulent pas de bien, maintenant la question c'est que faisons-nous? Et nous pouvons nous mentir et essayer de mentir aux autres ici en faisant croire que nous sommes tellement engagés, tellement ci, tellement ça. Mais le jour du jugement, lorsque nous allons paraître, comparaître devant nos ancêtres, ils vont nous Eh oui, poser là. des questions simples. Et là, il n'y aura plus de mensonges, il n'y aura plus d'excuses. Et la question sera, qu'est-ce que tu as fait pour ta communauté? Les ancêtres ne te posent pas la question de combien d'argent tu as laissé sur ton compte en banque, combien de maisons tu avais. Ce n'est pas ça. C'est qu'est-ce que tu as fait pour ta communauté? Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de mensonges possibles et imaginables parce qu'on ne ment pas aux esprits. Et Eh maintenant, oui, ce c'est sera le clair. moment de notre vérité. Et donc, il faut qu'on comprenne bien cela. On ne peut pas s'amuser, continuer à se raconter des histoires. On nous a, je, quand tu m'as un peu présenté, tu parlais du fait que je me suis sacrifiée. Et je disais que je n'ai jamais vécu et je ne vis jamais mon engagement pour ma communauté comme un sacrifice. Je le vis et je l'ai vécu et je le vivrai jusqu'au bout comme une mission que j'accomplis. Un devoir. Un devoir, une mission que j'ai et que je prends au sérieux. On ne se sacrifie pas pour ses enfants, pas vrai? On fait C'est notre clair. devoir. On C'est s'occupe clair. d'eux. On est Bien maman, sûr. on ne se sacrifie pas pour ses enfants. Mais de la même manière, on ne se sacrifie pas pour son peuple. C'est clair. On remplit sa mission, on remplit ses obligations. Nous avons une obligation morale de l'Afrique vis-à-vis de notre peuple. Et nous ne devrions pas prendre cela à la légère. Parce que sinon, on va rester dans l'état dans lequel on est. Et on va continuer à penser. Ou à penser que l'individualisme est une solution. C'est-à-dire que moi, je m'en suis sortie, ça va. C'est Les ça. autres, ben, tant pis pour eux, hein. On ne va peut-être pas dire ça ouvertement, mais en gros, c'est ça, quoi. Non, c'est S'ils ça, avaient c'est ça, c'est clair. Oui, s'ils avaient été aussi malins que moi, ils ne seraient pas dans cet état-là. Sans comprendre qu'il faut s'en prendre au système, même ce système de suprématie raciale blanche, qui a développé le capitalisme, qui a développé le machisme, qui a développé le racisme, qui a développé plein de choses terribles. Aïe, aïe. Eh oui, eh oui, eh oui. Non, c'est compliqué, c'est compliqué.
Même aussi hein, auprès de, on le voit souvent chez nos aînés. Bon, moi personnellement, j'aime pas taper même sur les aînés. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais c'est vrai que quelque part aussi, à la longue, il y a ce petit côté-là aussi. Moi, j'ai fait ma part. Non, mais toi, je pense qu'il faut taper sur eux. Ah, d'accord, il faut taper di directement sur Oui, il faut taper directement sur eux. Parce que tu les entends toujours dire, oh, les jeunes vont faire mieux, la jeune génération, la jeunesse. J'ai horreur de cette phrase-là. Mais non, mais c'est ça. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que nous, on a échoué. Et puis eux, ils vont réussir. Donc, on leur met cette responsabilité-là sur le dos. C'est ça. Et ma question est, mais si vous ne leur avez pas transmis ce dont ils ont besoin pour relever ce défi et nous libérer, comment pensez-vous qu'ils vont s'en sortir? C'est Donc, clair. en fait, vous leur passez, vous vous dégagez de votre responsabilité, Eh oui, eh oui. la leur mettez sur le dos et ça vous donne bonne conscience. Mais Ah, les amis, mettez des cœurs parce que là, c'est fort, là. Oula. il faut leur taper dessus. Il faut vraiment leur taper dessus. Il faut leur regarder droit dans les yeux. Si vous n'avez pas fait initier vos enfants dans une tradition spirituelle africaine, je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous attendez? Et puis aujourd'hui on est jeune, demain on ne l'est plus. Non, c'est clair, bien sûr. Donc le jeune là d'aujourd'hui qui a 20 ans, maintenant 30 ans, il en aura 50. Et croyez-moi, ça va vite. Bien sûr, bien sûr. Ça va très vite. Donc, je ne sais pas. Et puis même cette. Encore, ça, on est aussi dans l'eurocentrisme. Hein, quelque part, que la jeunesse a ce pouvoir incroyable. Ça c'est la vision des Blancs. Dans la vision africaine, on sait très bien que ceux qui ont les clés et les réponses, ce sont les aînés. C'est des années, bien sûr. Ce ne sont pas les jeunes. Et moi, je ne vais pas attendre un jeune de 20 ans qu'il pense ma libération. C'est clair. Avec quels éléments de vie, quelle expérience de vie, je ne peux pas lui demander ça. Moi, je ne l'ai pas fait. Donc, je lui dis, OK, maintenant tu gères ça, tu es jeune, vas-y. C'est un jeu. Encore une fois, c'est malhonnête. C'est C'est très clair, c'est malhonnête. Et puis derrière, malheureusement, il donne des leçons, il malhonnête. critique. En plus. Ouais. Et on le voit ici hein, en France. Hein. Je sais pas si. Je sais que tu viens souvent. Je sais pas si tu. Voilà. Mais on voit que ça. C'est-à-dire que beaucoup d'anciens qui ont soit écrit un livre ou ont fait une seule action ou une seule chose ont disparu complètement. Ou s'ils sont là encore, ils restent sur les réseaux sociaux. Ils mettent deux, trois Ouais. paragraphes, deux, trois machins. Commentaire. C'est ça, commentaire. Ils se glorifient avec ça. Ils veulent avoir des likes. Ils sont heureux de se présenter comme étant les papes du savoir ou de la connaissance qu'émite. Et point Ouais. final, ils restent dans leur... Aucune action concrète. Mais quand il y a d'autres personnes qui le font, la première des choses, est-ce qu'ils connaissent? D'où ils sortent leurs connaissances? Qui les a initiés? D'où est-ce qu'ils viennent? Il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Ouais. On est dans l'ego. Mais Ouais. on n'est pas dans le partage réel, on n'est pas dans le désir vraiment de changer les choses, en fait. Ah Donc, là là, bon. et puis ils vous disent, il y a une phrase dont j'ai horreur, ils vous disent, oh, on a fait ce qu'on a, on a fait de notre mieux. Oh, c'est ça. C'est ça, effectivement. On On a fait a de fait notre notre rôle, ouais. On a joué notre rôle, on a fait de notre mieux Maintenant, à vous. ouais, allez-y. Mais C'est avec à vous. quelles armes, avec quels éléments? Et ce n'est pas vrai, c'est que vous n'avez pas fait de votre mieux. Vous mentez. Vous n'avez pas fait de votre mieux. Si c'est ça, votre mieux, ben c'est vraiment problématique. Oui, c'est très, très, très problématique. Et puis derrière, comme tu disais, il y a une génération ici d'anciens qui, malheureusement, bon, après ça n'engage que moi, qui a formé ceux que moi j'appelle des médiocres, qui de base ne sont pas médiocres, mais ils ont été formés de façon. Ils ont été bien formés, mais quand je dis bien formés, il n'y avait pas ce côté d'engagement. En fait, ils se sont focalisés que sur des connaissances, apprendre des maisons de terre, apprendre un certain nombre de choses, et point final. Et qu'est-ce que ça crée derrière? C'est ce que tu as dit, l'ego. Ouais. L'ego, l'ego, l'ego de la connaissance. Je connais. Point Ouais. final.
Ouais. On a vu ça aux États-Unis dans les années 90, où c'était une espèce de nouvelle élite qui se formait, justement ceux qui savaient écrire, déchiffrer les hiéroglyphes, Medunacea, puis ça c'était l'élite, et puis il y avait ceux qui ne savaient pas la masse. C'est ça. C'était terrible parce que vous dites, OK, vous savez déchiffrer, après ça fait quoi? Vous faites quoi avec cette connaissance? Là, parce Qu'est-ce que que c'est une vraie connaissance. Il y a le savoir et puis il y a la connaissance. Hein. C'est C'est clair. pas la même chose. Hein. La Bien sûr, c'est connaissance, pas. on naît ou on renaît avec ce que l'on a acquis. Donc là, il y a une transformation intérieure. Mais si c'est juste pour blaguer et me vanter que moi, je sais, je peux, je fais après. Qu'est-ce que ça change? Moi, concrètement, vous avez fait quoi? À part vous vanter. Ça me fait une belle chambre, hein? Non, mais moi j'adore ce live-là parce que j'ai en face de moi une aînée mais qui est très lucide sur la question. Parce que c'est vrai que, comme je disais, nous ici en Europe, en France surtout, c'est un peu délicat. C'est un peu délicat, mais là, il y a une lucidité. Voilà, peut-être les responsabilités sont partagées, les aînés, ils ont leur part. Ici, les aînés, ils ne reconnaissent pas qu'ils ont une part de responsabilité dans ce que nous vivons. Ils ne reconnaissent pas, ils estiment que ça y est, quoi. Ils ont fait ce qu'ils ont à faire. Et à nous de faire le boulot. Bon, c'est dommage. Bref. Oui, je te laisse si tu as quelque chose à rajouter là-dessus avant qu'on passe se garder. Ce que je veux dire, c'est que bon, eux-mêmes, ils n'ont pas été formés comme il fallait par leurs aînés. Donc, voilà, ça se transmet de génération en génération. Et on reste toujours dans la même situation, même que les choses s'aggravent, parce que plus le temps passe, plus on devient aligné, plus on s'éloigne de nos valeurs ancestrales. Voilà, donc c'est encore une fois, c'est vraiment à nous, là, c'est un challenge que je nous pose, hein, en tant que peuple. C'est vraiment C'est à clair. nous, à nous organiser. C'est vraiment, c'était le message de Marcus Garvey, vraiment, vraiment. C'est vrai que souvent, quand on y pense, on se pose la question, est-ce qu'il y a des solutions? Souvent, on a Bien sûr. l'impression, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, on a trop parlé, il y a eu trop de conférences. Un invité me disait une fois, le temps des conférences est fini. Même si j'ai Ouais. compris ce qu'il a voulu dire derrière, c'est qu'on a trop parlé, et c'est comme tu l'as si bien rappelé, on est dans le temps de l'action. Mais aujourd'hui, quand on fait souvent des lives où on parle solution, solution, on a l'impression qu'en fait, on parle pour rien parce qu'il n'y a personne derrière qui va se lever pour dire, bon, j'ai écouté ce live, j'ai pris ces solutions-là, je vais aller les transformer en action. Rien du tout. Et au final, c'est fatigant. Donc, on va terminer sur cette question avant de passer à Garvey. Est-ce que tu penses que, surtout sur tous les points qu'on vient de présenter, est-ce que tu penses qu'il y a des solutions? Oui, absolument. Et ce n'est vraiment pas si compliqué que cela. Tu vois, se reprendre en charge, justement, arrêter de se voiler la face, accepter de prendre nos responsabilités et créer des espaces dans lesquels, justement, on peut être nous-mêmes, ça nous encouragera. Nous mettre ensemble, c'est aussi important, comme c'était très important parce que seul on ne va pas très loin, hein, c'est C'est compliqué. clair. Donc voilà, on peut et surtout on commence petit. J'étais ce matin à l'investiture du président de l'université où je travaille aux États-Unis. Ça fait 138 ans que cette université-là existe et son 12e président, c'est un noir. C'est la première fois qu'il y a un président noir. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Il nous rappelait que l'université a commencé dans une cave, la cave d'une maison, avec 7 étudiants. Aujourd'hui, il y a 30 000 étudiants. Oula. Non, mais donc c'est pour dire que, vois, ils sont passés de 7 à 130 000, à 30 000. Et Marcus Garvey disait cela aussi. Il faut que nous, les Noirs, on aime commencer en haut et c'est pour ça qu'on tombe. Il faut qu'on commence en bas et on monte, on monte. Donc, même si, n'est-ce pas, vous êtes une famille et vous êtes maintenant convaincu que l'école n'est pas bonne pour vos enfants, vous trouvez une autre famille, même s'il n'y a que 3-4 enfants, vous commencez comme ça, vous voyez comment vous pouvez vous organiser, etc. Vous n'avez pas besoin de faire plein de bruit pour qu'on ne voit pas ce que vous faites forcément. Mais
On peut avoir des business, c'est se soutenir entre nous, créer un réseau. C'est pour ça qu'on a créé Afrocentricité Internationale, en fait. Comme je disais, c'était pour reprendre la relève de l'organisation de Marcus Garvey, parce qu'on s'est dit, mais nous sommes des Africains conscients, isolés de par le monde. Il ne faut pas croire qu'il n'y a pas beaucoup d'Africains qui pensent comme nous. Il y en a beaucoup, en fait. Nous sommes isolés. Et quand tu es isolé comme ça, et que tu commences à tenir ce genre de discours, on se moque rapidement de toi. C'est Que tu es clair. fou, ça ne va pas, on te ridiculise, et puis on t'ostracise, on évite de te fréquenter. Donc, toi-même, tu peux même commencer à douter même de ta santé mentale. Parce que, donc, Afrocentrisme, c'était pour justement qu'on se mette ensemble. Pour se réconforter, se conforter les uns les autres. Et, tu vois, et créer donc un réseau, et créer une plateforme qui nous permettrait justement d'échanger, de parler, d'échanger des connaissances, etc., etc. Donc je pense que c'est très important de s'organiser pour agir. Voilà. On n'a pas besoin de le faire, de fanfaronner, mais et puis bien sûr s'instruire, lire, regarder des vidéos, etc., etc. Mais la solution est entre nos mains. Je ne parle même pas de tout l'aspect spirituel, il faut faire des rituels, etc. Mais en fait, ça vient après, etc. Mais déjà avoir le désir sincère de mener des actions concrètes. On n'est plus dans le blablabla, on n'est plus dans les grandes envolées sur Instagram, Twitter, je ne sais pas quoi. Pas. Ça, c'est de l'activisme digital. Ça a peut-être sa place, parce que ça permet de faire passer les informations plus vite, plus rapidement et à un coût très limité. Donc, je ne dis pas que ce ne soit pas utile, mais ça ne peut être qu'un moyen qui ne peut pas, de communication, qui ne peut pas prendre la place d'une action véritable et Sur le concrète. terrain, c'est clair. Sur le Ceux-là, on les appelle les kémis de clavier, c'est vrai. C'est que toujours sur le net, mais jamais dehors, quoi, malheureusement. Je les appelle les militants de salon, tu vois. Donc, voilà. Et ils se donnent un peu une bonne conscience parce qu'ils ont écrit un truc sur Sankara, ou bien Marcus Garvey, ou bien Macron, là, voilà. Et ils sentent que, voilà, ils ont fait leur part. Mais non, non, pas du tout. J'ai l'impression que tu vis avec nous ici parce qu'il n'y a que ça ici en fait. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. On va Mais produire un long texte sur Sankara et on est fiers. On a l'impression d'avoir fait quelque chose d'important. là, l'anniversaire de l'assassinat de Sankara approche, donc on va avoir des photos de Sankara, on va avoir des citations de Sankara. Bon, c'est bien, il faut, mais ça ne peut pas s'arrêter là. C'est clair. Ça ne peut vraiment pas s'arrêter là. Parce que Sankara, par exemple, était un homme d'action. C'est juste qu'il a encore 3 ans, mais c'était phénoménal. Eh oui. C'est clair. Donc, ça devrait justement être un modèle. Tu vois ce que je veux dire? Donc, qu'on aille Bien sûr. jusqu'au bout, en fait. C'est ça que c'est notre difficulté aussi, c'est d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a aussi un autre élément dont on n'a pas parlé, mais qui est très important, et c'est la peur. Eh oui, c'est vrai. Il y a la peur qui est là. La peur. Il y a la peur. La peur du système qui peut nous écraser, nous détruire. Et C'est c'est ça. là que la question spirituelle devient très importante. Parce que la spiritualité nous donne une protection. Bien sûr. Tu vois? Bien sûr. Mais c'est sûr que quand on n'a pas ça, on se sent très seul, très vulnérable et on préfère finalement filer doux, ne rien dire, même si on n'est pas d'accord avec ce qui se passe. Mais voilà, on prend un pseudo et on écrit des trucs sur les réseaux sociaux et puis voilà quoi. Non, c'est vrai. Et puis la peur aussi de voir sa vie chambouler. Nous, quand on discute avec les gens, quand on leur dit, mais attention, si tu veux rentrer dans l'écumétisme, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. La façon de penser, la façon de voir, il faut être beaucoup dans l'action, il faut. Les gens se disent, oula, 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 non, moi, j'ai pas envie de bouleverser mon quotidien, j'ai pas envie de changer mes habitudes, non. Tu sais aussi ce qu'ils disent souvent, je n'ai pas le temps. Ah oui. Voilà. C'est ça, j'ai pas le temps, je travaille, j'ai pas le temps, je dois aller chercher les enfants, non, j'ai pas le temps, ouais. Voilà. Toi, tu as le J'aurais. temps parce que toi, tu n'as pas d'enfant, t'as pas de travail, t'as Non, pas c'est de. ça, effectivement. Ils Mais pensent eux. que nous, on n'a pas de vie, en fait, on n'a pas de famille, on n'a pas de femme, on n'a pas d'enfants, on n'a pas des choses à faire, non.
Non, on a tout ça, mais comme c'est une obligation morale, c'est un tout qui s'intègre et qui c'est notre vie. C'est ce qui est Tu vois, clair. c'est notre vie. Bien sûr. Ah, écoute, Voilà. on continue de se battre en espérant que bon, les gens s'améliorent. Bon, on a quand même puisé 1 heure. On va aller sur Marcus Garvey. D'accord, donc voilà, tu vas gérer en fonction du temps que tu veux prendre pour Marcus Garvey. Et puis, je te poserai des questions. On va rebondir. Voilà, l'idée aussi, c'est pas de trop occuper ton temps. Hein, je sais que voilà, même si c'est vendredi, je sais pas si c'est samedi là-bas ou du vendredi, il y a pas mal à vendredi. Ah, ok, voilà, tu as encore pas mal de choses à faire. Donc on va aller rapidement, les amis. Mais en tout cas, c'était utile d'ouvrir cette grande parenthèse parce que c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué. Chaque génération, c'est toujours les mêmes soucis. Tout à l'heure, notre invité disait, Marcus Garvey a parlé de ces choses-là il y a 100 ans. On continue aujourd'hui de débattre sur ces questions-là parce qu'on n'a toujours pas vu les solutions. On n'a toujours pas entamé le pas. Pourtant, Et tu vois, il nous a suggéré des solutions. Et lui-même, il est passé au stade des solutions. les Bon, là, il solutions. a été malheureusement éliminé. Mais c'est à nous, justement, à regarder ce qu'il a fait, regarder les jalons qu'il a posés. Marcus Garvey, c'est pour ça qu'on le respecte tout le temps. Ce n'est pas simplement quelqu'un qui parlait, il était très charismatique, mais c'était surtout quelqu'un qui agissait. Marcus Garvey avait des usines, des écoles, même des universités, des hôpitaux. Moi, pour Une moi, Garvey, et tu nous diras, hein, Marcus Garvey, moi personnellement, en tout cas, ça a été, c'est mon modèle. ouais. C'est celui qui m'a donné envie et me donne envie de faire ce que je fais. Parce que, bon, je vais pas, hein, je vais te laisser expliquer, mais quelqu'un qui a sacrifié, tu l'as dit tout à l'heure, Il n'a pas bon, peut-être sacrifié. que voilà, c'est ça. Lui n'a pas vu cela comme un sacrifice. Nous, Non. aujourd'hui, on peut le voir comme un sacrifice dans la mesure où, quand on voit un peu son parcours, et quand on voit comment il a fini, tu as dit tout de suite, il a été éliminé. Quand on voit comment il a fini, on se dit, on a mal. On a très, 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 très mal pour lui. Et moi, personnellement, je me pose la question, mais aujourd'hui, quand Garvey est là où il est, qu'est-ce qu'il se dit, en fait, sur d'abord lui-même, ses actions? Ouais. Qu'est-ce qu'il doit se dire? Et qu'est-ce qu'il doit se dire en regardant le peuple noir actuel? Avec tout ce qu'il a fait, ah, c'est compliqué. J'aimerais pas être à sa place, en tout cas. Tu sais, Non, c'est compliqué. il a dit quelque chose dans un de ses discours, il a dit que nous sommes un peuple qui le fatigue. Il a dit parce que vous Le m'empêchez d'avoir. fatigue, carrément. Oui, Ah, il a j'adore dit ce mot. une race fatigante parce que vous m'empêchez d'aller où je veux aller. Ah là là. Tu vois? Et c'est aussi ça, il faut aussi qu'on comprenne cela. Nous sommes notre propre frein. Eh oui. Et nous qui avons une vision pour l'Afrique, pour notre peuple, on ne peut pas la réaliser à cause de tous ces Africains, toutes ces Africaines qui refusent de voir les choses en face, qui ne trouvent pas le courage, qui ne trouvent pas ce qu'il faut pour dire, OK, ça suffit, on va changer, on retourne chez nous, on rentre à la maison. Et rentrer à la maison, pas simplement au sens physique, mais au sens culturel, au sens spirituel. Eh oui. Et je veux le dire très sincèrement. Moi, je dis toujours, parce qu'il y a des gens qui me disent, mais où est-ce que tu trouves la force de continuer avec ce peuple J'allais fatigué? même te poser la question. Oui, je dis, je ne me bats pas pour des individus, je me bats pour des principes. Ça c'est fort quand même. Parce que si je devais me battre pour des individus, Je pense qu'il y a longtemps, tu aurais arrêté. je pense que je me serais peut-être déjà suicidée. Ah oui, non, je pense. Hein. À Déjà, oui. cause de la traîtrise, à cause hein, des coups, des bassesses, à cause de la lâcheté, de l'hypocrisie, le manque de courage, tu Aïe, vois, la traîtrise dont nous n'avons pas le monopole, je le dis et je le répète. On trouve tout ça chez les autres aussi. Bien sûr. Mais peut-être qu'ils ne sont pas dans une situation aussi difficile que la nôtre et peut-être qu'ils peuvent davantage supporter tous ces comportements-là, que ça ne leur nuit pas autant collectivement. Mais pour nous qui depuis 500 ans servons de paillasson au reste de l'humanité, tu vois,
Ça fait mal. Moi, je me bats pour des principes. Le principe de la justice. Il n'est pas juste que nous soyons comme nous sommes, dans l'état dans lequel nous sommes. Il n'est pas juste que les Européens pensent qu'ils peuvent aller piller tout en Afrique et que nous nous sommes acculés à survivre difficilement. Ce n'est pas juste. C'est clair. Ce n'est pas juste. Il n'est pas juste que notre estime de nous-mêmes soit aussi compliquée. Je ne dis pas que nous ne nous aimons pas. Je disais, on a un rapport très difficile à notre culture, à l'Afrique, à nos ancêtres. Et c'est normal parce que nous sommes soumis à cette propagande, à cette éducation, entre guillemets, etc. On comprend tout ça. Mais j'en reviens encore à mon point de départ, c'est quelles sont nos responsabilités? Et comment est-ce que nous gérons nos responsabilités? Et ça, c'est la question. Je suis comme toi, Marcus Garvey est vraiment quelqu'un pour qui j'ai une plus grande admiration. Parce que, envers et contre tout, il a tenu. Et j'imagine qu'il a dû prendre des coups, il a eu dû connaître des déceptions. Ah ça, De la ah, je sais pas calomnie, comment d'ailleurs, faire. il s'est même retrouvé en prison. Parce qu'il a été dénoncé à tort, n'est-ce pas, par des gens, des Noirs qui étaient jaloux de son succès, des gens comme Du Bois, tu vois. Ah là 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 là, comme tu dis. Donc tout ça, mais ce sont les coups qu'on prend quand on est dans ce combat-là. Mais au moins, tu vois, au moins, Marcus Garvey est éternel. Nous le Gloire nommons à Dieu. aujourd'hui, tu vois? Donc nous savons qu'il ne s'est pas battu en vain. Et parce que c'est ça, en dernière instance, le but de l'existence pour les Africains. Nous cherchons l'éternité. Nous cherchons l'éternité pour ne pas mourir socialement. Et on gagne l'éternité en devenant un ancêtre. Oui, haché, franchement. Mais Et c'est la raison pour laquelle nous, j'ai sa photo, on a sa photo exposée, et ce monsieur-là. Et tu as donné une phrase tout de suite qui est magnifique. Tu as dit, on cherche l'éternité. Cette phrase-là, elle est terrible. Elle est magnifique. On cherche l'éternité. Donc, on n'est pas là pour plaire à nous-mêmes, pour regarder notre confort, hein, notre vie paisible. Même si on marche dans la boue, même si on met les pieds dans les mains dans la boue, le corps même dans la boue, pour les autres, pour notre peuple, on est content parce que on sait qu'au final, on aura fait une action pour les autres. Et c'est ça, mais comme qui tu nous dis, permet l'éternité. Vous savez que l'on, c'est votre nom qu'on invoquera parmi ceux qu'on invoquera au moment de libation. Eh oui, eh oui, eh oui. Quelle plus grande récompense. C'est clair. On ne se souviendra pas de vous pour les voitures dans lesquelles vous rouliez, votre compte en banque, les vêtements que vous portiez, les chaussures de sport que vous aviez, non. C'est Pour la clair. personne que vous étiez, votre engagement. Eh oui, eh oui. Quelqu'un Et me c'est ça. disait rapidement, quelqu'un me disait en parlant de, tout à l'heure tu l'as dit, comme il s'appelle Webb Dubois, qu'on le connaît en tant que militant panafricain, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui parle de lui. Personne ne l'invoque pour quoi que ce soit. Après, je ne sais pas si aux États-Unis, c'est différent, mais ici, personne, limite, on s'en fout de lui, en fait. Oui, parce que à cause de sa traîtrise vis-à-vis de Gandhi, ça ne passe pas. C'est lui qui avait écrit d'ailleurs au président du Libéria pour lui dire, parce que le président du Libéria à l'époque avait était d'accord pour concéder un immense terrain à l'UNAE de Garvey. Ça devait être donc la base de l'empire africain que Garvey voulait construire sur le sol africain. Et Du Bois a écrit au président pour lui dire, ne faites pas ça, parce qu'en fait, cet individu, Marcus Garvey, quelqu'un de mauvais augure, qui a vraiment en fait comme intention de vous renverser, de faire un coup d'État pour prendre votre place. Et le président, donc, s'est affolé, il a annulé la concession qu'il avait accordée à l'UNAE de Garvey, et c'est comme ça que l'UNAE n'a pas pu, n'est-ce pas, s'installer au Libéria.
Ça, c'est... Dubois, Dubois porte cette responsabilité dans l'histoire. Ouais. Et il ne s'est jamais excusé. Il n'a jamais dit que c'était une grosse erreur qu'il avait faite. Il n'a jamais prononcé de paroles de regrets ou autre. Donc non, on ne parle pas de lui. On ne parle pas de lui. On sait... Pourtant, il s'est battu et tout, mais il a commis des erreurs qui lui ont été fatales. Et l'une d'entre elles était de saboter le travail de Marcus Garvey. C'est incroyable. Ouais, vraiment incroyable. Donc, c'est pour ça que je parlais de ces coups bas, tu vois, que Garvey a dû vraiment recevoir. Non, mais jusqu'au bout, il s'est battu. Et ça, c'est un exemple, c'est un modèle. Non, mais c'est... Parce que sur ce point-là, j'imagine qu'il avait mobilisé des millions, des efforts pour le Liberia et derrière, simplement par jalousie. Vraiment. Parce qu'on présente comme étant le syndrome du Messie. Je veux être le sauveur. Et comme ce n'est pas moi et c'est quelqu'un d'autre, je vois, qui mobilise énormément, alors je vais le saboter. Et le pire, c'est que Dubois lui-même s'est retrouvé à partir vivre en Afrique. C'est ce qui est paradoxal. Hein? Oui, c'est-à-dire qu'il ne comprenait même pas pourquoi les Noirs aux États-Unis ne voulaient retourner en Afrique. Pour lui, on devait rester aux États-Unis, s'intégrer, s'assimiler et tout. Mm-hmm. Et Marcus Garvey disait qu'on n'avait absolument aucun avenir aux États-Unis. Il dit les Blancs ne vont jamais nous traiter correctement. Et puis, nous avons intérêt à avoir notre société à nous, notre empire à nous, nous avons nos affaires à nous, et laisser-les faire leurs affaires à eux, et puis nous, on va faire nos affaires. Il était donc pour c'est une séparation des races. Il ne croyait pas en une coexistence qui pouvait être harmonieuse, paisible. Il dit non, puisqu'il y a une guerre raciale, les Blancs vont toujours essayer de nous nuire. Donc, laissons-les aux États-Unis et nous on s'en va. Moi, je ne comprenais pas ça, etc. Non, on doit rester aux États-Unis, c'est notre pays, etc. etc. Mais après, donc, 5 ans, 60 ans, il était complètement désenchanté. Il a fini lui-même par partir vivre au Ghana à l'invitation de Kwame Nkrumah. C'est clair. Voilà, oui. Quelque chose que Garvey avait compris à l'âge de 24 ans. Il a fallu que Dubois atteigne l'âge de 90 ans pour comprendre ça. Pour comprendre cela. Ghana, où il est mort et enterré. Ouais. Chose bizarre. Bon. Les amis, on va rapidement aller sur... bon, de toute façon, là, on a ouvert, d'accord, le dossier Marcus Garvey. On va rentrer plus en détail. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur notre peuple. Tellement, tellement, tellement. Et quand on voit la vie de Garvey sur ce point-là, ce qu'il a vécu, c'est aujourd'hui ce que... Bah, malheureusement, c'est ce qu'on vit hein, en 2022 de l'année leucodermique, mais c'est ce qu'on vit. C'est toujours trahison, jalousie, complexe, syndrome du Messie, etc. C'est ce qu'on vit. Bon, peut-être qu'à travers l'histoire de Garvey, peut-être qu'à travers le discours de Garvey, le message de Garvey à notre peuple, peut-être qu'on pourra trouver énormément de solutions, énormément de pistes, énormément, d'accord, de moyens d'action. On va rapidement, si notre maman le permet, partager un document, d'accord. C'est un PowerPoint, justement, que notre invité nous présente sur Marcus Garvey. On va peut-être essayer d'aller vite pour pas perdre le temps, prendre le temps plutôt. Ouais, je pense pas qu'on pourra tout faire parce qu'il y a quand même 90 slides. Oula! Donc, on va prendre ce que tu souhaiteras, peut-être faire les 10 premières, et puis de toute façon, on a déjà dit beaucoup de choses de Marcus Garvey, donc exactement. Donc, c'est pas on a les points essentiels, donc on peut, tu vas faire progresser, comment ça se passe? C'est ça, oui, je peux le faire directement. Mes amis, petite parenthèse, notre maman, notre invitée, a rappelé qu'elle a énormément de livres, elle en a parlé en introduction. N'hésitez pas à acheter ces livres, d'accord. Il faut vraiment pas hésiter, d'accord. Ces livres sont disponibles partout. Nous, on en vend également dans notre structure. Il faut acheter, les amis. Il faut acheter. Aussi, ça permet aussi d'encourager le travail. Ne soyons pas, hein, comme elle a dit, des kémites de salon, hein. Ou comme ce que nous disons, des kémites de clavier. On vous soutient, c'est bon. Ne soyons pas, les amis, des ministères de la pensée et de la parole. Il faut agir. Si tu ne peux pas sortir et agir dehors, au moins achète des livres. Ça permet de soutenir ceux qui sont sur le terrain. Voilà. Donc, on revient à Marcus Garvey. Donc, tu me diras quand est-ce que tu veux qu'on progresse et puis oui, je pourrais vas-y, dépister. Vas-y, vas-y. Bon, ben là, c'est déjà... Attends. Déjà, c'était une photo de Marcus Garvey là, juste avant. Mm-hmm.
On peut continuer. Donc, je donne quelques informations biographiques sur lui, qui est né à la Jamaïque le 17 août 1887 et il est mort à Londres le 10 juin 1940. Et j'explique donc justement qu'en 1914, il a créé la Universal Negro Association of African Communities League, or League of Communities, et que voilà, c'est une organisation en fait nationaliste noire afin d'unir et d'organiser l'Afrique et sa diaspora. Donc c'était un projet éminemment panafricain, que le motto, donc le slogan de l'organisation, c'était donc One God, One Aim, One Destiny, un Dieu, un but, un destin. Et la prochaine slide, c'est donc justement le drapeau qu'il nous a donné il y a 100 ans à peu près, 1921, je crois. Donc, il nous a donné le On drapeau. retrouve aujourd'hui en Guadeloupe. Pardon? Drapeau qui est utilisé aujourd'hui en Guadeloupe. En Guadeloupe et un peu partout. Regarde les drapeaux des pays africains. Oui, c'est vrai qu'au Kenya, je pense aussi, hein, c'est les mêmes C'est-à-dire que couleurs. pratiquement tous les pays africains reprennent au moins deux des couleurs du drapeau de Garvey. C'est vrai. Et le drapeau du Ghana a au milieu justement L'étoile. le Black Star, voilà, l'étoile noire qui était donc le Black Star Airlines, c'était la compagnie maritime que Marcus Garvey avait créée. Donc Marcus Garvey a eu une influence énorme. Bon, il se peut que ceux-mêmes, les présidents actuels des pays africains ne sachent pas forcément d'où viennent ces couleurs, mais ces couleurs de ces drapeaux nationaux africains viennent de ce drapeau-là. Très Et le intéressant. rouge, c'était pour notre sang, le noir, c'était pour la couleur de notre peau, et le vert, c'était pour notre terre africaine, Wow. et sa fertilité. Tu vois, le rouge, c'est le sang que nous avons versé. Le noir, c'est la couleur de notre peau. Nous sommes un peuple noir. Le vert, c'est l'Afrique, notre terre fertile. Tu vois? Et oui, et Marcus Garvey. on a envie de dire que tous les Noirs aujourd'hui en diaspora doivent avoir ce drapeau-là chez eux à la maison. Absolument. Absolument. Dans leur voiture, partout. Et ils C'est clair. devraient expliquer à leurs enfants. Tu vois, nous avons notre drapeau. Et pourquoi il nous a donné un drapeau? Il disait parce que toute nation qui se respecte a son drapeau. Nous sommes la nation noire, donc voici notre drapeau. Et il disait surtout, vous n'avez plus besoin d'avoir les drapeaux des autres nations chez vous. Un peuple qui se respecte ne fait pas ça. Un peuple qui se respecte a son drapeau. Donc voilà votre drapeau. C'était vraiment comme ça. Il voulait nous détacher de l'Occident. Tu vois, vraiment nous détacher, dire, OK, peut-être que vous avez votre drapeau français, c'est parce que vous n'avez pas le vôtre. Donc, voilà le vôtre. C'est Tu vois? clair. C'était vraiment un visionnaire et c'était quelqu'un qui agissait, en fait. Il voyait qu'il y avait un problème et donc il essayait de régler le problème. C'est comme quand il disait que les enfants noirs ne devraient pas jouer avec des poupées blanches parce que ça leur donnerait l'envie d'avoir des bébés blancs. Et comme il n'y avait pas de poupées noires, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé une usine pour fabriquer des poupées noires. Ah là là. Tu vois, c'est pour ça Ah que là tu m'as posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire, mais il nous a montré ce qu'on fait. Ce qu'on fait, eh bien, on fait preuve d'initiative. Sa vie même, quasiment, c'est rempli de solutions. Il n'y a que des solutions dans sa vie, en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'il ne se contentait pas de pleurnicher. D'ailleurs, il ne pleurnichait jamais. Il disait, voilà, il a analysé le problème. Il dit, le problème, c'est quoi? C'est que nous sommes en état de guerre raciale. On comprend ça? Les Blancs essaient en fait de nous détruire. Donc maintenant, nous devons résister. Voilà. Et pour résister, nous devons nous organiser. Et nous devons avoir, donc mentalement, nous devons nous reprogrammer. Il parlait beaucoup de propagande. Il disait, il faut contrer la propagande des Blancs, tu vois, par notre propre propagande. Et il faut donc. Et aussi cultiver qui nous sommes. Et c'est pour ça que c'est un nationaliste noir. C'est-à-dire que nous devons vraiment nous aimer et renforcer tout ce qui fait de nous des noirs. Donc on peut essayer de continuer un peu. Là, je vais voir si j'ai une citation. Oui, s'il te plaît. On peut continuer, vas-y, continue, parce que je n'aurai pas le temps de parler de tout ça encore. On continue, on continue. On continue, on continue. Encore. Vas-y, continue. Continue. Ta, ta, ta. Voilà.
Il disait ici que le nationalisme doit être une nécessité. Tous les efforts de l'UNAE, donc ces organisations, doivent aboutir au nationalisme noir indépendant sur le continent africain. Là, c'était pour lui, c'était vraiment sur le continent que notre sort se jouerait. Et ça, je suis tout à fait d'accord avec lui. Que c'est vraiment en Afrique que nous devons d'abord gagner le combat. Tu vois ? Parce que si nous gagnons ce combat-là en Afrique, eh bien, automatiquement, les choses vont changer pour nous dans la diaspora. Déjà, on aura un modèle. Déjà, on aura le sentiment qu'il y a quelque chose de fort et de puissant à quoi nous pouvons nous rattacher. Bon, ce n'est pas le mot, ce n'est pas le mot. Tu vois ? Donc, et l'organisation, c'est en diaspora et puis l'action directement sur le continent. Absolument. C'est pour ça, tu vois, que par exemple, le temple pour la Renaissance, le temple à la Renaissance Kamit, nous sommes en train de le bâtir en Afrique. En Afrique, si, c'est en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi c'est pas en Guadeloupe? Je dis, mais c'est pas pour ça, rime à quoi? J'aime la Guadeloupe, mais ça rime à quoi? Déjà, c'est une colonie française, donc les Français peuvent venir nous embêter, ils ne manqueraient pas de le faire, tu vois, déjà. Mais c'est en Afrique qu'on doit gagner le combat. C'est d'abord là, et après, le reste suivra ça. Et là, c'était l'analyse de Marcus Garvey, tu vois, que nos efforts doivent se concentrer sur l'Afrique. Tu vois? Et oui, des années avant. Un siècle avant. Il disait, aucune race ne peut être libre tant qu'elle n'a pas de nation forte, son propre système de gouvernement et son propre nom social. Il disait, ne soyez jamais satisfait de vivre sous l'autorité du gouvernement des autres parce que vous serez toujours à leur merci. Aïe, comment cette phrase, elle est d'actualité? Ah là là. Voilà. Et continue, et ça, l'autre, voilà. Alors, c'est très intéressant aussi. N'imaginez jamais que si les Japonais prenaient le contrôle du monde, ils voudraient très mieux que les Anglo-Saxons ou les Latins. N'imaginez pas que si les Chinois ou les Indiens prenaient le contrôle du monde, votre situation serait améliorée. Toutes les autres races et nations vous utiliseront de la même façon comme des esclaves et des perdants. Parce que tu vois, on se raccroche. Et c'est vraiment pathétique, c'est triste quelque part. On se raccroche aux Russes, on se raccroche aux Chinois, ils vont venir nous aider, ils vont venir nous sauver, ils vont venir nous aider à nous débarrasser de la France. Oui, bon, ouais, peut-être, accessoirement, mais qu'est-ce qu'ils font en Afrique même? Tu vois, c'est la question que pose Marcus Garvey, il dit « Vous devez être indépendant. Comme je disais, il a dit un siècle avant, mais aujourd'hui, on a toujours pas compris. Et tu fais bien de rappeler le discours de Marcus Garvey, parce qu'on n'a rien compris, absolument rien. Non, on est toujours dans cette idée que quelqu'un va venir nous sauver. Tu vois, les Russes vont venir sauver le Mali. Bon, je ne dis pas que les Russes ne vont pas aider le Mali à se débarrasser de la France parasitique, c'est tant mieux. Mais ça devrait nous interpeller quand même. Pourquoi est-ce qu'on a besoin des Russes? Et puis les Russes, ils sont là pour nous. Pourquoi? Parce que de par nous-mêmes, on n'est pas capable de se débarrasser de la France. Tu vois ce que je veux dire? Donc, on est toujours là. On a du mal à se penser comme fort et indépendant, capable de forger notre propre destinée. C'est ça, capable de contrôler le monde, c'est compliqué. Et nous-mêmes, tu vois, et c'était Marcus Garvey, c'était pas du tout sa vision. Il dit, vous imaginez que les Chinois, les Indiens sont là pour vos beaux yeux qui vont vous aider? Non, ils vous utiliseront de la même façon comme des esclaves et des perdants. C'est fort, hein? Eh oui. C'est fort. Parce que tous ces gens-là, ces Russes et autres là, en Afrique, on voit comment ils se comportent. D'abord, on a vu avec les Chinois qui sont arrivés beaucoup plus tôt, on le voit aujourd'hui. Au départ, les gens disaient, oui, bon, regardez, ils vont nous aider, ils sont travailleurs, ils vont ramener du boulot, ils vont ramener de la technologie, des machines, etc. Mais aujourd'hui, on voit, ils prennent les Africains, voilà, c'est des esclaves, d'accord? Ils font de la contrefaçon, ils s'en foutent de savoir si c'est bon pour la santé, ils n'en ont rien à cirer parce que les gens, forcément, on va produire des médicaments périmés dans des caves, puis voilà, tant qu'ils se font de l'argent. Et toi? Avec les tissus, ils voient les motifs, ils font ça,
de moindre qualité. Et toi, tes propres industries, ta propre industrie locale, eh bien, elle a du mal à survivre. C'est Mais ça. ça, c'est tout ça, c'est notre faute, hein, quelque part. Bon, voilà quoi. Maintenant, on a déjà constaté ça. Mais qu'est-ce qu'on fait? Tu comprends? C'est ça, C'est c'est clair. ça. Toujours ce que Marcus Garvey nous rappelait. On peut continuer, s'il te plaît. Alors, l'auto-validation, il disait que nous devons nous valider nous-mêmes. Nous n'avons pas besoin que les autres nous disent, voilà, c'est bien ce que tu fais et tout. Il disait, nous devons, n'est-ce pas, mettre un terme à ce que j'appelle le syndrome de la validation blanche, tu vois. Il disait, apprenez aux Noirs à chercher ce qui honore leur propre race à l'intérieur de la race et apprenez-leur à servir leur race et leur nation pour recevoir ces honneurs. Tous les honneurs qu'ils peuvent recevoir d'une autre race pour les services qu'ils lui ont rendus, ils peuvent les obtenir pour pouvoir servir leur propre race. Et donc, ne gaspillez donc pas votre temps à servir les autres races. Vous pouvez avoir votre propre roi, empereur, pape, duc, etc. Vous pouvez tout avoir. Et fini, j'aime beaucoup. Ne vous abaissez donc pas devant d'autres races pour être reconnu. Tu vois? Aïe, Et c'est souvent ça qui amène à la traîtrise. Tu vois? C'est que on te lâche un os et tu as oublié tout ce que tu avais dit sur le blanc, tu vois. Un peu genre à la Nelson Mandela, tu vois. Ouais. Bon, Le même s'il y a une défendre, mais bon, voilà. prix Nobel de la paix, allez hop. C'est clair. Maintenant, de Clark et toi, vous êtes les meilleurs amis au monde. Le pays souffre jusqu'aujourd'hui. Les Noirs souffrent. Aujourd'hui, de cette trahison-là, tu vois. Mais c'est parce que, justement, c'est ce dont parle Marcus Garvey ici. Et en fait, on devrait savoir que quand les Blancs vous reconnaissent et tout, vous donnent des honneurs, c'est que bon, il y a un problème avec vous, hein. Forcément, forcément. Tu vois. Et donc, la vie de Marcus Garvey, ses actions, ce sont tout simplement extraordinaires. Ce qu'il cherchait, c'était un peuple africain puissant et fort. Et il savait que pour que ça soit, bien, il fallait mener des actions tout aussi extraordinaires pour réaliser cette mission, cette vision-là. Peux passer à la prochaine, s'il te plaît. Donc là, je parle un peu de tout ce qu'il a fait avec son organisation, qui est devenue la plus grosse organisation que nous ayons jamais connue, hein, avec plus de 1100 chapitres dans 42 pays différents. Et comme je disais, l'ENAI avait des usines, des universités, des écoles, des hôtels, des journaux, une compagnie maritime. Et l'ENAI employait, n'est-ce pas? Les cadres de l'organisation étaient salariés, ils étaient payés. Parce qu'il a créé une économie, donc il employait les Noirs qui étaient membres de l'UNAE. Donc c'est aussi ça, on parlait de solutions, tu vois. Avec le camitisme, il y a toute une économie qui est à créer, puisqu'il y a Bien une demande. sûr, bien sûr, Mais on n'arrive pas bien à sûr. voir ça, tu vois. C'est parce on est formaté par leur système. Donc Bah oui, je hein, suis on nous un peu détruit dur les avec. uns les autres. Oui, je suis un peu dure avec nous parce que je veux vraiment nous secouer de notre torpeur, mais en même temps, c'est vrai qu'on a plus cette imagination, on n'arrive même pas à voir ce qui est possible, quoi. Et c'est ce qui, quand on devient afrocentrique et qu'on commence à ouvrir les yeux et à comprendre les choses en perspective, on voit tout ce qu'il y a à faire. Mais ceux qui sont pour aliéner ne le voient pas. Non seulement ils ne le voient pas, ils vont essayer de te décourager, tu vois. C'est ça. Tu veux dire, oui, montons un centre d'éducation afrocentrique aujourd'hui à Paris, par exemple. Si on met notre argent, nos ressources ensemble, on peut le faire. Mais vous aurez Les gens 1000 bien personnes sûr, qui c'est disent, bien. mais non, c'est pas possible, il faut pas faire ça va pas marcher, etc. C'est ça. Et même si vous arrivez à le faire, ça sera, comme tu disais tout à l'heure, une guerre d'ego. Oui, mais je Ouais, veux que ce soit ma décision, ma vision qu'on choisisse, qu'on prenne, etc. Et c'est ce qui ne marche pas. c'est moi qui ai créé, non, c'est toi, non, c'est moi. Maintenant, procès, machin, et puis le truc ferme parce qu'on s'est dit, on s'est chamaillé. Exactement. Voilà, Parce que c'est sur compliqué, hein? Paris, je dis ça aussi parce que sur Paris, je sais qu'avant, à une certaine époque, il y avait une école aussi qui était. Bon, c'était pas vraiment. Il y a une école quand même, un petit truc qui a été mis.
classe avec des enfants, il y avait des sorties dans des musées, il y avait des sorties également. Quand je dis dans les musées, c'était pour présenter les choses de chez nous. Ils faisaient quand même des ateliers pour présenter la culture africaine, etc. Mais ça a été détruit. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, au niveau de, entre guillemets, les responsables, ou voilà, c'était ça. Je souhaite que ma position, mon avis, soit pris. Si mon avis n'est pas pris, alors je pars. Si mon avis n'est pas pris, alors on arrête. Et au final, l'école a sauté. Voilà, et c'est nous qui souffrons. C'est ça. Mais il y a sur Paris justement ce que Afrocentre International France a mis en place, qu'ils appellent les ateliers racines. J'en ai Alors, entendu c'est pas parler, une oui. expérience, oui, mais c'est très intéressant. Ils ont fait des activités très intéressantes justement pour essayer de d'ancrer nos enfants dans leur culture africaine. Donc, à défaut d'une école entre guillemets à temps plein, il y a des initiatives quand même qui existent. Si, si, ça c'est super. C'est super. Heureusement. On avait parlé, j'ai quelqu'un qui en avait parlé dans notre structure, pour encourager justement les personnes à inscrire leurs enfants. En tout cas, faut pas que. N'hésitez pas en tout cas. Faut pas hésiter, il faut aller voir. Je sais pas si ça continue encore. Oui, ça Ça continue. continue. Et d'ailleurs, je pense qu'ils sont pleins là. Je pense, je suis pas sûre qu'il y ait toujours de la place, mais je sais qu'ils avaient une belle liste d'inscriptions. Voilà. Super, Et ça super. Ça continue. fait Donc, les plaisir. parents devraient s'enseigner même sur le site d'Afrocentre Ciné International France. Ça ne coûte rien de poser la question, mais je sais que c'était bien fait, bien structuré. Et les parents et les enfants étaient contents. Super, leurs ancêtres. Ok, tu veux que je poursuive encore ou... Continue, vas-y. Donc ça, c'est la photo justement d'un des immeubles que Garvey avait acheté à New York. Et l'organisation avait plusieurs immeubles hein, pour justement leur rencontre, parce qu'il y a des milliers et des milliers de Noirs qui adhéraient au message de Marcus Garvey, à sa vision, et qui voulaient donc faire partie de ce mouvement pour la Renaissance des Noirs. Donc, je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. Je ne sais pas s'il y a des questions, parce que comme je dis, j'ai 90 slides, donc on pourrait être encore là pendant des heures et des heures. Mais Non, on a c'est clair. déjà mal parlé de Garvey, donc en fait, ça risquerait d'être répétitif, en fait. Exactement. Et je pense que aussi dans les questions du public, tu auras la possibilité voilà, de revenir sur plusieurs points. Donc, les amis, Élaborer, etc. on va prendre vos questions, d'accord? Donc, il faut aller rapidement parce que le temps file. D'accord, voilà. Allez-y rapidement, les amis. On va prendre vos questions qu'on va poser à notre invité. Mais le temps que les questions arrivent, justement, j'avais une. Bon, j'espère en tout cas, dans tous les cas, je verrai avec notre invité pour la revoir pour un autre sujet, beaucoup plus sur l'organisation ou sur la spiritualité. En tout cas, et on espère aussi pouvoir l'inviter. D'accord, en vrai, sur Paris pour nos activités, en tout cas. Question, les amis, allez-y, d'accord, on vous attend pour vos questions. Moi, ce que j'aimerais demander à notre invité, d'accord, le temps que les questions arrivent, c'est que je sais qu'il y avait, voilà, il y a eu l'initiative du temple Kemit en Côte d'Ivoire. Moi, j'avais vu la vidéo, je me souviens, il y a très longtemps. C'était un bon teaser avec des intervenants, etc. J'ai même reconnu des gens avec qui j'ai collaboré enfin, par la suite. Et le truc, c'est que j'ai entendu, d'accord, dans la bouche de plusieurs personnes, pas forcément lié au temple en Côte d'Ivoire, mais l'idée de temps. On nous a fait comprendre, bon, ça n'a un peu rien à voir avec Marcus Garvey, je m'éloigne un peu légèrement, mais beaucoup ont dit que les temples n'ont jamais existé chez nous et qu'on n'avait pas besoin de temples et que les temples, ça faisait penser à une église, à un lieu où on nous oblige à faire des choses, un endroit un peu dogmatique, etc. Petite parenthèse sur ça, le temps que les questions arrivent. Qu'est-ce que tu veux répondre à ces gens? Alors, c'est vrai que pour nous, les Africains, le temple, c'est vraiment la nature. La nature est notre temple.
Et même moi, tu vois, en tant que Mambo, souvent, j'ai des gens qui m'approchent et qui me demandent comment ils peuvent se connecter aux esprits. Et je leur réponds toujours, allez dans la nature, allez dans la forêt, allez vous asseoir près de la mer, rentrez dans l'eau, près d'une rivière, rentrez dans l'eau. C'est là que les esprits sont le plus fort. Donc on est d'accord. Ceci dit, il y avait des temples en Égypte. Bien sûr. Nous sommes dans une autre situation. Nous sommes dans une situation où, je ne veux pas le répéter suffisamment, nous sommes attaqués. Et il y a une arme, à mon avis, est celle qui nous a causé le plus de mal. C'est la religion chrétienne et la religion musulmane. Ils nous ont détournés de nous-mêmes. Pour siphonner notre énergie spirituelle, la réorienter pour alimenter nos ennemis, que ce soit les Européens, les Arabes, nous faire penser que notre spiritualité, en fait, n'est que de la sorcellerie, nous faire nous détourner de nos ancêtres, n'est-ce pas? Et nous a donné à leur rituel, etc., etc. Donc la question s'est posée, encore une fois, que devons-nous faire face à cela? J'ai longtemps réfléchi et je n'étais pas sûre. Nous avons d'ailleurs eu des désagréments au niveau de l'organisation sur cette question-là, au point où le professeur à santé a préféré s'éloigner de l'organisation. La réponse que nous donnons aujourd'hui est que nous avons besoin pour nous remettre debout d'une religion panafricaine. Voilà. Une Mettre en religion de place foi. une religion panafricaine. Voilà. Non, Et je répète encore pourquoi mettre en place une religion panafricaine. Je répète pourquoi. Parce que peut-être que tu as dû l'apprendre ou pas encore. Nous, notre organisation a une particularité, c'est celle-là. C'est-à-dire que notre discours, depuis le début, il a été cohérent sur cette question-là, en disant, oui, notre peuple à sa spiritualité, etc. Mais n'oublions pas. Et ça, je me souviens à l'époque, je le disais sans avoir lu aucun de tes livres, d'ailleurs. Je disais aux gens, et on le disait avec ceux avec qui on en est, sur les réseaux sociaux, qu'il faut voir notre monde, ou même revoir notre monde, d'accord? Notre façon de voir ou de nous organiser spirituellement sous l'aspect religieux. C'est-à-dire qu'il faut faire renaître la religion africaine. On s'est fait lyncher de partout et ça continue encore. Des gens nous taxent de pasteurs parce qu'on parle de religion. On nous taxe de charlatans. On nous taxe des gens qui etc. ont, oui, c'est ça, qui ont mis en place une église. On nous taxe de tous les noms parce qu'on a parlé de religion. Il y a beaucoup qui nous ont blacklistés, qui ne veulent même pas entendre parler de nous, simplement parce qu'on a parlé de religion. Parce que eux, dans leur tête, on leur a fait comprendre que chez les Noirs, la religion n'a jamais existé. Tout ce qui a existé, c'est la religion. Et il y a des gens partout sur les réseaux sociaux, des gens qui sont très connus, qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont beaucoup de, comment on dit, hein, des followers, et qui tiennent ce discours-là. Et malheureusement, ça, bon, nous, on le dit comme ça. Après, par rapport à notre position, ça abrutit beaucoup qui, sans chercher à faire des recherches, sans chercher à aller en profondeur pour comprendre la question, est-ce qu'on a eu des temples avant? Est-ce que c'est nous qui avons inventé la religion? Est-ce que... Non. Les gens font le suivisme et derrière, voilà, tous ceux qui parlent de religion sont tout de suite des gens à abattre. D'accord? On ne veut même plus parler avec eux, on ne veut même plus collaborer avec eux parce qu'on estime qu'ils sont Qu'est-ce qui perdus les dans le... gêne? Qu'est-ce qui les gêne exactement? Je ne comprends pas. Parce que pour eux, quand on parle de religion, c'est forcément dogmatique. C'est-à-dire que l'Afrique n'a jamais eu de religion. Nous, des gens, on a invité des gens qui sont venus, qui ont vu ce qu'on faisait. On dit, c'est très bien, mais c'est le côté religion qui nous dérange. Changez le discours, vous dites autre chose. Mais quand vous dites religion, on ne veut pas. Parce que ça nous rappelle,
Parce que les gens, quand ils parlent de religion, les définitions, nous, on a fini par comprendre. Quand les gens définissent le mot religion, tout de suite, ils voient islam et religion chrétienne. Point final. Pour eux, c'est ça la définition. Donc, quand quelqu'un vient parler de religion kémite, ils font tout de suite le rapprochement en disant, mais comment une religion kémite peut ressembler à l'islam? Comment une religion kémite peut ressembler au christianisme? Sans se dire que nos ancêtres ont inventé la religion et que derrière, les autres ont copié et ils l'ont fait à leur façon. Et quand on parle de religion, ce n'est pas parce que les autres derrière ont créé leur chose, comment dire ça, adapté ça à leur tradition, que ça fait d'eux les inventeurs de la chose. Non, nous, on a une façon à nous de voir la religion qui est beaucoup plus scientifique, philosophique, spirituelle, on appelle ça comme on veut, mais qui est particulière, donc qui n'a rien à voir avec les autres. Mais bon. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut reconnaître, c'est que toute religion est, soutient un projet politique. Et toute religion repose sur la déification de l'expérience d'un peuple donné. Notre problématique en tant qu'Africains, c'est que justement, nous avons été convaincus par les Arabes et les Européens qu'il n'y a rien de divin, il n'y a rien de sacré en nous. C'est Et c'est un clair. peu pour ça que nous sommes aussi perdus et que nous disons autant de mal de nous-mêmes, de nos ancêtres, de nos traditions, que nous tournons le dos à ces traditions-là en espérant nous éloigner de ces choses maléfiques, etc. Mal, vous voyez? Bien sûr. Et donc, comment, c'est ce que j'appelle réancrer le divin en nous-mêmes et nous réancrer dans le. Comment reprendre conscience de notre divinité? En tant qu'enfant d'Amon-Ra. Et je suis persuadée que, c'est l'analyse de notre organisation, que tant que nous n'aurons pas fait cette démarche-là, nous n'arriverons pas vraiment à nous remettre debout. C'est pour ça que nous attendons toujours un sauveur qui doit venir d'ailleurs, qui vienne de Russie, de Chine ou je ne sais pas quoi. Nous-mêmes, nous n'avons pas ce qu'il faut pour nous sauver nous-mêmes. Clair. Donc la question spirituelle pour nous, la question de notre aliénation spirituelle est fondamentale. La religion est un processus de déification de l'histoire, de la culture d'un groupe donné. Nous cherchons à déifier notre peuple, le peuple africain. Nous avons besoin d'une religion et une religion qui va nous unir. Merci. Nous sommes en guerre. Nous avons besoin d'armes. Qu'est-ce qu'on va opposer au christianisme et à l'islam qui continue à nous décimer mentalement? Nous devons avoir une religion, nous devons avoir une arme, nous devons forger une arme pour nous libérer et nous protéger. Et c'est pour ça que nous avons ce temple. Notre religion, nous l'appelons Mwikadilomuya, qui veut dire devenir sacré, devenir humain, Anchiloba. Nous avons nos rituels, nous avons un temple. Quand vous venez au monde, quand votre enfant vient au monde, vous faites quoi? Quel rituel est-ce que vous faites? Quand vous quittez ce monde, qu'est-ce que vous faites comme rituel en tant que Kamite? Quand vous voulez vous marier, où est cet espace qui affirme notre sacralité? Où est cet espace où nous pouvons nous livrer à des rituels qui affirment notre divinité, notre humanité? Un endroit qui est empreint du respect que nous avons pour nous-mêmes et pour nos ancêtres et pour notre terre ancestrale. C'est Nous avons clair. besoin de, pas d'un temple, nous avons besoin de temples partout où nous sommes. Le temple partout, exactement. Nous Exactement. essayons donc de poser un modèle en Côte d'Ivoire qui doit être répliqué partout en Afrique. Tout à fait. Donc, c'est dans cette démarche-là. Alors, les gens qui disent qu'ils ne veulent pas de religion, je dis, mais alors, on fait quoi? On fait comment? Qu'est-ce qu'on dit au christianisme? Qu'est-ce qu'on dit à l'islam? Vous faites quoi? Donc vous restez, non, je ne veux pas de religion. Mais nous sommes en guerre. Exactement. Nous Peut-être avons que si toi tu leur dis, ils vont peut-être mieux t'écouter. Peut-être que si toi tu besoin. leur dis Peut-être que, tu vois, les arguments il y a... qu'on les a donnés, Oui. peut-être que si toi tu leur dis, ils vont mieux t'écouter. Non, mais ça me semble maintenant tellement clair, tu vois, que il nous faut nous donner des armes, comme Marcus Garvey sait nous donner des armes. Les enfants noirs ne doivent pas jouer avec des poupées blanches, il y a pas de... ils fabriquent une usine pour faire des poupées noires pour les enfants noirs, point final. C'est clair.
Nous avons besoin d'une religion, et bien nous allons la créer, mais pas la créer n'importe comment. Nous avons des traditions. Nous Exactement. allons nous reconnecter. Il nous faut des rituels qui affirment notre africanité. Je ne peux pas dire simplement je suis africaine et puis voilà, c'est tout. Mais non, c'est beaucoup plus profond que ça, être africaine. On ne peut pas se moquer de nous-mêmes comme ça éternellement. Il faut être sérieux, il faut être sincère. Ou si vous ne l'êtes pas, ben, ne parlez pas. Et C'est surtout, ne clair. m'embêtez pas à me Ah oui. raconter qu'on a le temple. Hein? C'est Comme clair. disait Marcus Garvey, c'est vraiment un peuple fatigant. Vous ne faites rien, mais quand les autres font, vous êtes les premiers à critiquer. Êtes Alors, les j'ai premières. entendu ça. On n'a jamais eu de temple. Et pourquoi? Ouais. Et l'argent, où est passé l'argent? Qu'est-ce que vous voulez où est passé l'argent? Vous savez combien il va coûter ce temple-là? 300 000 euros. Wow. 400 000 euros. Oui, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi. Ah bah oui. Il faut qu'elle fasse quelque chose quand même qui nous honore. Qui nous honore, qui honore nos ancêtres, à l'image de nos ancêtres. Voilà, Ah bah oui. quand nous allons venir devant ce temple, nous allons dire, waouh, c'est nous, dans notre majesté, dans notre grandeur. Nous Ah, sommes passés je à viens de la dire ça. contre-offensive, tu comprends? Nous sommes passés à la contre-offensive maintenant. Nous allons vraiment, nous allons maintenant défier le christianisme et l'islam. Chez nous, c'est quand même terrible. Ouais. Et j'avoue que ça marche. Maintenant, il y a des gens qui ne vont plus à l'église le dimanche, ils viennent à notre temple à Njem. Alors, le temple Bien lui-même sûr. n'est pas construit, mais nous avons un petit temple que nous avons déjà érigé. Et dernièrement encore, au Nouvel An Kamite, il y avait quand même 1 000 personnes. Bien sûr, Donc, si. ça. On a suivi l'actualité justement et on suit toujours. Les gens nous contactent pour nous demander mais est-ce qu'il n'y a pas de temple Kamit en Côte d'Ivoire? On les oriente tout de suite vers Ndjem. Oui, Voilà. d'accord, très bien, mais la dernière fois qu'ils ont donné de l'argent pour aider le temple à être construit, c'était quand? Oui. Parce que c'est ça, aussi, nous C'est sommes dans cette démarche-là, voilà. d'auto-suffisance. Nous sommes des nationalistes noirs. On a compris ce que Marcus Garvey avait dit. Si, ce que Sankara disait, celui qui vous donne à manger vous contrôle. C'est Donc, clair. si nous avons vraiment besoin d'un temple à nous, c'est à nous à le construire. Et ça, c'est aussi quelque chose que j'ai appris aux États-Unis. Tu vois, les Noirs comprennent. Il faut mettre la main à la poche. Et c'est ça notre problème. On est toujours dans cette mendicité que les Blancs nous ont inculquée. On a toujours la main tendue, on va demander une On n'a subvention. jamais l'argent. On Voilà, pleure. ouais. Pas, j'ai pas. On a de l'argent pour les mèches, on a de l'argent pour le McDo, on a de l'argent pour les Nikes, on a de l'argent pour ça. Mais des choses vraiment sérieuses. On n'a Vraiment jamais rien. sérieuse, comme mettre un temple pour nos ancêtres sur pied en Afrique, au moins que l'on parte en disant, bon, honnêtement, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai laissé ça pour les générations qui vont venir, qu'elles voient ce qu'il y a à faire. C'est clair. Bon, je ne vais pas trop te retenir. Il y a beaucoup de questions, donc on va essayer de les prendre pour pas qu'on rate des questions. Tac, tac, tac. Oula, il y a eu centaines de questions entre-temps. Bon, on va essayer de prendre les plus pertinentes. Les amis, je sais que si je peux m'exprimer ainsi, vous adorez Amamazama, on l'adore tous, on l'aime tous. On va essayer de négocier avec elle pour d'autres passages, d'accord? Vous aurez la possibilité de poser vos questions, d'autres questions, si jamais on ne prend pas toutes vos questions ce soir, d'accord? Donc vraiment, toutes nos excuses par avance, elle fera de son mieux. Est-ce qu'on a... Bon, je pense que on en parlait tout de suite, hein, c'est où en est-on avec le projet du temple en Côte d'Ivoire? Bon, Pour mais le j'ai répondu, hein, on a posé la première pierre le 17 avril passé. Là, on a déposé la demande de permis de construire. On avait aussi fait l'étude des sols parce que on n'est pas loin de la mer, donc on voulait être sûr que notre temple sera bien implanté. Et donc on attend le permis de construire, en fait. C'est ça, ok. Et là, on va passer à l'acte. Super. Et je précise en parlant de ça, les amis, pour ceux qui connaissent, qui ont entendu parler ou ceux pas du tout, il y a un lien qui défile, d'accord? Je pense qu'on peut trouver le lien sur le site d'Afrocentricité France, hein?
Oui, international aussi. International, voilà. Donc, n'hésitez pas. J'ai cru comprendre qu'il y avait une question de nom avec une brique derrière, je crois. C'est ça? Voilà. Donc, les amis, si vous voulez avoir vos noms, nous, on vous encourage. D'accord? Vous savez que nous, voilà, les dents. Excuse-moi, oui, on disait donc c'était notre slogan du fric pour une brique. C'est ça. Et l'idée, c'est que ceux qui donc font une contribution auront leur nom à l'intérieur du temple. Donc, comme ça, ceux qui viendront dans 30, 40, 50 ans verront ceux qui auront répondu à l'appel. Super. Donc les amis, faites-le. Nous, au niveau du Cousin d'Afrique également, nous allons faire aussi notre part parce que partout, et c'est ce qu'on a dit, à chaque fois qu'il y a une initiative de temple qui est mise partout dans le monde, il faut y aller, il faut soutenir les amis. D'accord? Il faut vraiment soutenir. N'écoutez pas des gens, même si vous les appréciez, même s'ils ont de la connaissance sur autre chose, qui vont vous décourager pour cette histoire de temple. Ne les écoutez pas, les amis. Faites ce que vous avez à faire, jouez votre rôle. Parce que, comme a dit notre invité, nous avons besoin d'armes pour rivaliser. Il y a des églises, des millions d'églises en Afrique, il n'y a pas des millions de temples. On ne peut pas rivaliser dans l'état actuel des choses, pardon. Il faut justement d'abord équilibrer les choses et prendre le dessus. Et ça, si on n'a pas de temple, si on n'est pas organisé, elle a dit tout à l'heure, une religion, c'est aussi un instrument politique. Oui, parce que c'est aussi ça. On fait aussi quelque part de la politique. Donc, si on n'est pas organisé pour reprendre le dessus, alors on peut rester comme ça pendant des siècles à venir, ça ne changera pas. Non, ça ne changera pas. Donc, il s'agit, un temple, c'est une institution religieuse, mais c'est une institution économique. C'est Il y a toute ça. une économie autour du temple. Et puis, ce qu'on essaie de faire à Njem, c'est pas seulement le temple, mais autour du temple, justement, un espace d'éducation afrocentrique. On a déjà commencé, on appelle ça l'école des ancêtres. La dernière fois que j'étais en Côte d'Ivoire, c'était très mignon, il y avait une douzaine d'enfants. Et puis aussi un centre de santé holistique, où l'on va revaloriser toutes nos connaissances en matière de santé, Aïe, aïe, tu vois, santé africaine. Donc on appelle ça un complexe pour le bien-être africain. Ah, je rêve de ce moment-là où on ira en pèlerinage. Et c'est ça le but, les amis. Que chaque Ah oui? année, en pèlerinage, dans ce temple-là, dans ce complexe-là, qu'on ne se dise pas, je vais passer mes vacances en Normandie ou à gauche, à droite. Non. Qu'on envoie nos enfants, justement, pour cette reconnexion-là. Voilà. Dans ce genre d'initiative. Donc, il faut vraiment faire en sorte que ça finisse rapidement, les amis, parce que ça a mis un peu de temps. Il Et ça met faut qu'on trop de temps accélère, quand les même. amis. Et ça, c'est aussi, voilà. C'est à nous de faire ça. D'accord. C'est à nous d'agir pour que des choses accélèrent. OK. Donc, une autre question. Donc, c'est deux questions, mais bon, qui parlent pratiquement de la même chose. Donc, tu pourras répondre. Voilà. La première question, c'est le frère qui nous demande, qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre toutes ces démarches? Et la deuxième question, c'est à quel âge as-tu eu l'éveil? Donc voilà. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire et à quel âge l'éveil est arrivé? Bon, sincèrement, je raconte souvent cette histoire que quand j'avais 8 ans, que les ancêtres sont venus me voir et puis m'ont donné ma mission et m'ont dit, tu dois jamais permettre que ce qui nous est arrivé soit oublié. Wow, mais C'était le comment message. ça s'est passé? C'est dans un rêve, c'est une vision, Étonnant, c'est non. C'était une la nuit, c'était la nuit, vers 2 h du matin, je me réveillais. Je explication. m'asseyais sur mon lit et je les voyais. Ils passaient, ils tournaient en rond, des hommes et des femmes. Et ils me regardaient, ils me parlaient avec leurs yeux. Et ça a duré pendant presque 2 mois. Et quand ils ont été sûrs que j'avais bien reçu le message, je ne les ai plus revus. Mais le message avait été reçu. Tu vois? Donc je les voyais. Et il y avait un homme en particulier qui avait un regard extrêmement, extrêmement puissant. Et son regard me disait, je ne pourrais jamais imaginer l'ignominie, l'atrocité de tout ce qui nous avait été fait. Donc c'était son nom en fait. Il n'y avait pas de mots pour nommer ce que nous avions vécu. Et donc pour moi, c'est ça. C'est ça que je porte en moi et c'est ça qui me porte en fait.
tu vois. Et puis de savoir que mes ancêtres sont là, en fait, que quand je remplis cette mission qu'ils m'ont confiée, eh bien, ils sont là avec moi, comme témoins, mais aussi comme protecteurs, comme gardiens. Et donc, je dois dire, je ne dis pas ça pour me vanter, mais je n'ai pas peur. Tu vois, je n'ai pas peur. Pourquoi est-ce que je n'ai pas peur? Parce que je n'ai pas peur de mourir, en fait. Tu vois? Et je pense que quand on arrive à ce stade où on n'a pas peur de mourir, eh bien, on n'a pas peur d'agir. On n'a pas peur des conséquences. Et ça aussi, quand tu remplis ta mission, tu es protégé. Bien sûr. C'est vrai aussi, je suis une initiée. Donc, je me protège aussi. Il faut ça. Dans tous les cas, si on a fini notre mission, on part, tout simplement. Mais c'est tout. C'est tout. Mmh. De toute façon, on finira par partir. Donc, de quoi faut-il avoir peur? Au moins, partir de façon glorieuse. Partir en sachant que quand tu pars, on nommera toujours ton nom, on parlera de toi comme un exemple. Je pense que l'une des choses les plus touchantes pour moi, c'est le jour où un monsieur, c'était à Montpellier, est venu. Il portait une petite fille de quelques mois et il m'a dit, je lui ai donné votre nom. Waouh! Tu vois? Je me suis dit, waouh! Donc, c'est ça en fait. L'honneur, tu vois, qu'il juge nécessaire de donner mon nom à sa fille. C'est un témoignage. Je ne demande rien de plus. Gloire aux ancêtres. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand il va prononcer son nom, c'est toute cette histoire-là, c'est cet engagement-là, ce combat-là qui va ressortir, qui va rejaillir et qui va même influencer l'avenir. Bien sûr. Il lui donne une mission. La mission, justement, d'être engagé. Donc voilà. De faire même mieux que toi. De faire même mieux que toi. Aller plus loin. Aller plus loin. Voilà. Donc. Gloire aux ancêtres, c'est magnifique. Voilà, oui, c'est vraiment puissant. C'est vraiment puissant. Donc il ne faut pas croire non plus que. Ça avance. J'ai de l'espoir, vraiment. J'ai beaucoup d'espoir. Je pense que nous sommes à un point où, quand même, nous comprenons de plus en plus de choses. Et qu'il y a que le bluff occidental, justement, qui nous maintient ou nous maintenait dans cet état un peu d'égarement et de peur, est vraiment en train de tomber. Maintenant, il faudra que nous trouvions en nous la force qu'il faut pour nous remettre debout. Super. J'y crois sincèrement. Achille. Les amis, on va aller rapidement parce que notre invité, voilà, on ne va pas trop l'épuiser, comme je le disais. On va aller rapidement, on va prendre quelques questions. Et puis on va arrêter. C'est la question du frère Boali qui nous dit à quel point l'afrocentricité ou le kémitisme touche-t-il la population africaine actuelle? À quel point, en termes d'impact, selon toi, par rapport à ce que tu constates? Bon, je pense que quand même il y a un impact. Je ne peux pas le mesurer, mais je vois sincèrement, j'observe quand même des changements de comportement, des changements au niveau de la réflexion, des changements au niveau du regard. Je vais dire aussi que nous ne sommes pas tombés dans l'état dans lequel nous sommes du jour au lendemain. Et donc, il ne faut pas imaginer non plus qu'il y aura une recette magique qui va faire une espèce de vaccin magique qui va faire que, voilà. Je pense que c'est tout un processus, ça prend du temps, mais je pense que ça ira beaucoup plus vite qu'on imagine. Et ce qui va nous aider, ce sont vraiment les difficultés croissantes de l'Occident. Ils vont faire peut-être ne même pas de nous donner d'autre choix que de chercher autour de nous-mêmes des solutions à nos problèmes au lieu de nous référer ou d'attendre toujours de ces gens-là qu'ils nous disent ce qu'on doit faire, puisqu'ils ne seront même plus là pour nous dire quoi faire. Donc ça m'encourage beaucoup. Et Marcus Garvey disait cela, il disait quand vos ennemis sont occupés, il disait en fait, vous devez encourager vos ennemis à se quereller entre eux. Et comme ça vous permet, vous, de vous organiser, ça vous permet, parce qu'ils sont moins focalisés sur vous, puisqu'ils sont en train de se battre. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer là. C'est clair, c'est le moment justement d'en profiter. C'est le moment d'en profiter. Ils sont en état de faiblesse. La France est en état de faiblesse. La France est en déroute. Ah oui, là, c'est chaud, là. Macron lui-même dit qu'il est paniqué. Donc, là, je me dis, si le chef de l'État vous dit qu'il est en état de panique, vous pouvez imaginer que là, c'est chaud.
voyez, on ne sait pas comment ce qui va se passer dans quelques mois. Bien sûr. L'euro est en train de tomber comme ce n'est pas possible. Bon, enfin, ils ont des difficultés. Et c'est le moment pour nous, justement, de nous réfléchir. Malcolm X disait ça. Il disait, pourquoi est-ce que vous voulez monter dans un bateau qui est en train de sombrer? Peut-être qu'il faut descendre du bateau et puis d'avoir votre propre bateau. Bien sûr. C'est ça. Ah, C'est clair, c'est clair. Autre question rapidement. Est-ce que tu penses qu'il faut une écriture kémite? C'est une question de la sœur Letty. Est-ce que tu penses qu'il faut une écriture kémite? Une écriture kémite? Parce qu'elle parle d'un... Peut-être revenir aux hiéroglyphes, pourquoi pas, ou peut-être... bon, nous, en ce qui nous concerne, nous, on vulgarise beaucoup plus le swahili. Donc, si elle va dans ce sens-là, peut-être pourquoi pas avoir une écriture correspondant à une langue officielle qui serait la langue ou l'écriture du kémitisme, par exemple. Oui, tout à fait. De toute façon, il nous faut avoir nos propres affaires. Mmh. Mais c'est ce qu'elle remet en question peut-être, c'est l'alphabet latin. Effectivement, il n'y a aucune. C'est un alphabet, enfin, un système d'écriture parmi d'autres. Il y en a plein d'autres dans le monde. Hein. Les Arabes ont leur système d'écriture, les Chinois le leur, les Japonais, les Indiens aussi. Donc, oui, nous devrions avoir notre propre système d'écriture. Mais déjà en Amérique aussi, en Afrique, ça existe hein, déjà des systèmes d'écriture qui ne sont pas latins. C'est clair. Ok, super. Bon, ça c'est une question. On a déjà répondu à cette question. On va aller rapidement, les amis. Quel terme? Bon, on me demande quel terme notre maman propose pour le prochain live. Moi, je pense que ça sera discuté en interne, même si je pense, hein, d'accord, si d'abord le rendez-vous est validé, peut-être on va beaucoup parler de religion kémite, je pense, ou peut-être on va parler du temple, voilà, on verra bien. Rapidement, les amis, parce que le temps file, il y a tellement de questions. Bon, je vais prendre les questions pertinentes. Il y avait une question justement sur les dossiers d'ISIS. Justement, apparemment, rupture de stock un peu partout. Je précise que bon, nous, on a quand même pu avoir, je pense, deux livres. Et notre éditeur, notre libraire, justement, notre partenaire, a promis de nous en fournir. Mais justement, par rapport à ça, est-ce que c'est en rupture de stock vraiment partout ou, Non, ce n'est pas rupture de stock. On peut s'en procurer sur le site d'Afrocentricité International France. On peut le commander. Ah, d'accord. OK. C'est pas en rupture de stock. Mais c'est vrai, c'est une question qui revient. Donc, je pense qu'on a un problème de distribution à ce niveau. Je ne sais pas, c'est un livre qui a été extrêmement demandé. Et je peux le comprendre parce que ce livre est fulgurant. Ah, sincèrement, hein, c'est bon. Vraiment. Pas, c'est bon. Wow. Et nous, les gens ne cessent pas de nous appeler. Mais est-ce que vous avez ce livre? Tout ce qu'on avait dans notre temple, tout est parti, on est harcelé. Mais bon, j'espère vraiment. Sur le site de Afrocentricité International France, il y a une boutique en ligne et on doit pouvoir le commander. D'accord. Donc, les amis, vous êtes informés, d'accord. N'hésitez pas à le faire. Parce que partout ici, bon, il y a ta mairie finie. Bon. Bon, ta mairie n'en a plus. Okay. Ta mairie n'en a plus, ouais. Même sur Internet aussi, partout, en dehors de ton site qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, en dehors de site Afrocentricité, les autres sites classiques, hein, d'accord. Plus rien. Donc, les amis, vous avez l'adresse, n'hésitez pas à commander. Comment financer le temps? Bon, il y a allez justement sur Afrocentricité International, c'est ça, hein? Ouais. Ou France, comme vous voulez, justement, il y a des liens qui sont un peu partout pour justement financer et voir votre nom inscrit à l'intérieur du temps. Je pense que ça, c'est. Il n'y a pas plus. J'ai envie de dire satisfaction, d'accord, une bonne satisfaction. C'est plus gratifiant. Et puis imaginez quand votre enfant va aller et va vous demander pourquoi il n'y a pas votre nom, vous allez dire quoi? Allez, à papa, tu as été médiocre. Hein? Ouais. C'est pas normal, bah oui. C'est pas normal. Tu n'étais pas sincère. tu étais un kémite de salon. Ouais. Dommage. Bon, est-ce qu'il y a des... Bon, je vais aller rapidement. Question. C'est pas intéressant. Bon, je pense que j'ai fait le tour, les amis, de toutes les questions pertinentes. Donc, et pour la diaspora, sinon pas le temps. Bon,
Bon, je pense que c'est bon. Je pense qu'on a passé toutes les questions pertinentes. D'accord. Donc, les amis, on va demander à notre invité justement un mot de fin. Bon, bizarrement, il n'y a pas eu des questions sur Garvey. Hein, d'accord. Il n'y a pas eu des questions sur Garvey. C'était vraiment le sujet de ce soir. C'est vrai qu'on a ouvert une grande parenthèse parce que c'était important. Mais il n'y a pas eu de questions sur Garvey. Bon, je vais quand même tenter la question sur Garvey avant de passer à la conclusion. C'est aujourd'hui, qu'est-ce que. Bon, c'est vrai que tu as expliqué un peu par rapport au discours de Garvey, mais si toi, tu as un conseil à donner à la diaspora par rapport à Marcus Garvey, ce serait quoi? Aujourd'hui, Oui, je sais pas sincèrement. moi, on peut. Quel serait le conseil que tu donnerais à la diaspora par rapport à Marcus Garvey? De former des groupes de lecture et d'études de Marcus Garvey. C'est pour ça que tu vois, j'ai traduit le livre, parce que je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucun texte de Garvey vraiment en français. Et C'est donc, vrai. je me suis dit, moi, c'est pas possible, quelqu'un d'aussi important que lui. Et donc, ben voilà, tu sais, c'est toujours cette inspiration de Garvey, c'est que il nous manque quelque chose, eh bien, on y pourvoit. C'est clair. Il faut. Donc, et ça, on est tous capables de faire cela. Encore une fois, c'est ne pas se chercher d'excuses, etc., etc. Une journée n'a que 24 heures pour nous tous, hein. C'est On a clair, bien sûr. besoin de dormir, on a tous besoin de manger, etc., etc. Donc, maintenant, comment on s'organise? C'est ça, je pense qu'il faut organiser son temps, peut-être de façon plus efficace, pour justement dégager du temps pour lire, pour discuter, et puis à former des projets, parce que Marcus Garvey était à la fois un visionnaire et un réalisateur. C'était pas quelqu'un qui ne faisait que parler, bon ça, mais qui passait à l'action. C'est pour ça qu'on le respecte autant, parce qu'on savait qu'il était sincère. C'est ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent mais qui ne font rien. Mais Bien lui était sûr. vraiment sincère. Moi, je retiens aussi pour te rejoindre le fait qu'il limite s'en foutait de son confort. Moi, de ce que j'ai lu, en tout cas sur son histoire, sa femme, quelque part, se plaignait du fait que, bon, je ne sais pas si se plaindre est une bonne expression que je dois utiliser, mais elle se plaignait aussi du fait que il était tout le temps parti, tout le temps consacré à la cause, et il consacrait moins de temps quelque part à sa famille, ce qui a peut-être causé le divorce, je ne sais rien, peut-être. Mais moi, je retiens dans ce message que le confort ne l'intéressait pas. Ça ne l'intéressait Non, pas. ce n'était pas sa priorité, mais ce n'était pas quelqu'un non plus qui vivait mal, hein. L'UNAI était une organisation qui avait quand même une belle trésorerie, hein. Tu vois? Donc, Le mais c'est confort, sûr le qu'il a plaisir de la, tu sais, voilà, il a voilà. fait don de lui-même au combat pour son peuple, pour l'Afrique. Il a vraiment fait un don total de lui-même. Et c'est ce que nous devons tous faire. Ça ne veut pas dire négliger nos familles, nous négliger nous-mêmes ou autres. Mais intégrer le tout et que ça devienne vraiment un mode de vie. Tu vois, que ça C'est devienne un clair. mode de vie. Donc, C'est voilà. clair. Pour conclure ce Garvey, moi j'aimerais que tout le monde retienne ça, ce que tu viens de dire, le don de soi. Il a fait don de lui-même. Quand on voit tout ce qu'il a traversé depuis son enfance, quand on voit son arrestation, son rapatriement, on va dire ça comme ça. Et malgré qu'il perd tous ses millions, il perd tout ce qu'il a mis en place, il perd vraiment tout, il a l'idée de repartir encore au combat, de repartir encore à la charge, de continuer. J'imagine que dans son entourage, on a dû lui dire, regarde, tu t'es battu pour les nègres, bon, peut-être le terme qu'ils employaient à l'époque, regarde la situation, ces mêmes noirs t'ont trahi. Ces mêmes gens ont fait que tu as tout perdu et tu veux encore retourner Voilà, à c'était vraiment un messager. On voit que c'était vraiment quelqu'un qui était habité par une force spirituelle hors du commun. Tout le monde ne peut pas être Garvey, il ne faut pas non plus se leurrer, hein. Mais ça devrait vraiment être un modèle pour nous tous et nous toutes. On ne pourra peut-être pas faire tout ce qu'il a fait, mais l'exemple qu'il a posé,
d'un homme qui n'a jamais arrêté, qui jusqu'au bout s'est battu pour son peuple, pour sa race, et qui avait vraiment un amour infini et inconditionnel pour l'Afrique et pour nous, et qui avait une gratitude, une reconnaissance immense pour ses ancêtres. Je pense que tout ça, c'est vraiment une source d'inspiration profonde pour moi personnellement et pour beaucoup d'autres personnes d'ailleurs. Donc moi, je conseillerais, c'est le conseil que je donne aux Africains de la diaspora et du continent, de lire Garvey et de méditer sur les propos de Garvey, mais sur aussi les actions, l'engagement de Marcus Garvey. C'est clair. Il y a, bon, malheureusement, je voulais qu'on conclue sur ça, mais je trouve quand même ces questions pertinentes, tu me diras. Bon, il y a une question qui concerne l'université en camitologie, je pense que c'est Kemet Math, je pense que ça doit être ça. Kemet Math, quelles sont les dates limites en fait, par rapport à ça? C'est la première question. Bon, déjà, nous sommes donc en train de conclure le deuxième semestre. Et le troisième semestre, enfin bon, nous commençons dans la première année, ça va recommencer au mois de février. D'accord. Super. Donc, nous allons faire. Oui, vous avez le temps. Vous avez le temps. Mais c'est aussi très important parce que ça, c'est aussi une institution que nous essayons de développer. Nous avons entendu l'appel de Garvey. Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre de ce qu'on nous fait subir sous couvert d'éducation et ne rien faire. Donc, il y a, bien sûr, comme je parlais des initiatives des causes afrocentriques aux États-Unis et ailleurs. Mmh. Et au niveau d'études supérieures, comme ils disent, il n'y a rien. Il n'y a pas vraiment d'université africaine. Il y a des universités eurocentriques ou européennes en Afrique. Mais donc, ce que nous proposons, c'est quelque chose de totalement différent, qui est justement une perspective afrocentrique, une perspective kamite sur nous-mêmes, sur notre histoire, notre culture. Mmh. Et ça, je peux t'assurer que c'est quelque chose de... Nos étudiants nous le disent, ça les bouscule, c'est révolutionnaire. Mmh. Au plan épistémologique, c'est révolutionnaire. Mais ils ne s'attendaient pas à ça. Super. Alors, dans cette... les amis, d'accord, donc n'hésitez pas à vous inscrire. D'accord, Kemet, c'est ça, Kemet Math. Kemet Math. Kemet Math, super. Donc, dernière question, je pense qu'on va la prendre comme la conclusion, d'accord, pour libérer notre invité, les amis, qui a quand même consacré plus de 2 heures, bientôt 2 heures et demie, justement, à notre public, hein, d'accord, pour traiter, certes, de la question de Garvey, pour parler également de beaucoup de choses qui nous concernent. Et je pense qu'au vu des commentaires, des réactions, hein, du nombre même de personnes présentes, je pense que ce live a été un total succès. La question, la dernière question qui sera aussi la conclusion, c'est le frère Kéti qui nous demande est-ce que tu penses que le rêve de Garvey, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique, est réalisable? Ne doit-on pas commencer avec des intégrations sous-régionales, pardon? Est-ce que tu penses que son rêve d'unir l'Afrique dans les États-Unis d'Afrique, tu penses que c'est réalisable? Est-ce que c'est d'un coup il faut le faire, ou est-ce qu'il faut prendre, parce que j'ai vu aussi cette idée-là, mm-hmm. en bloc, Afrique de l'Ouest d'abord, Afrique du Centre, Afrique de l'Est, ouais. Afrique du Nord, bon, même si eux, voilà, mais en tout cas, toute cette partie-là, Ouest, Est, Sud, bloc par bloc, avant de parler d'une union totale. Bon, on sait déjà, par exemple, qu'il y a un bloc d'Afrique de l'Est, etc. Mmh. Quelle que soit la façon dont on y parvient, tu vois, je n'ai pas de réponse vraiment à ce sujet, de réponse catégorique. Mais pour moi, quelle que soit la façon dont on y arrive, il faut qu'on aille vers les États-Unis d'Afrique. Et j'y crois. Mmh. Je pense qu'on y arrivera. Tôt ou tard, on n'aura probablement même pas le choix, en fait. Donc... oui, le rêve de Garvey. D'ailleurs, c'était le premier à parler des États-Unis d'Afrique. Merci pour cette question. C'est vrai, je n'avais pas parlé de ça, mais c'est le premier. Cette phrase, l'Afrique aux Africains, bon, ce n'était pas de lui, mais les États-Unis d'Afrique, c'est lui. Mm-hmm. C'est lui qui nous a proposé cela. Et qui a été repris par d'autres après lui.
Si notre niveau de conscience nous permettait d'aller directement aux États-Unis d'Afrique, eh bien, ça serait parfait. Peut-être que ce qu'il nous faudra, ça serait effectivement quelque chose de progressif. C'est clair. Étant donné l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui, même de fragmentation de l'Afrique, l'Afrique n'a jamais été aussi morcelée. C'est clair. Ok, je pense que ça répond à la question. Donc, les amis, je pense que tout a été dit, hein, d'accord. Je ne sais pas si notre invité a un mot de fin. Sinon, je pense que tout a été dit. On ne peut jamais tout dire sur Marcus Garvey, mais parce que c'était quelqu'un de tellement exceptionnel et de tellement remarquable. Donc, encore une fois, je te remercie pour ton invitation, toute ton équipe. Ben, tous ceux et toutes celles qui nous ont écoutés patiemment et qui, je l'espère, vont réfléchir et remettre certaines choses en question et trouver la détermination vraiment à agir et à contribuer du mieux qu'ils peuvent à la renaissance planétaire. Exactement. Super. Super, les amis. Donc, merci encore à notre invité, donc Mama Zama. Comme on l'a dit en introduction, c'était un plaisir et un honneur pour nous de la recevoir sur la chaîne. On espère qu'il y aura d'autres passages parce qu'il y a tellement de sujets justement à aborder. Et on espère surtout qu'il y aura une présence physique. D'accord. En tout cas, on essaiera de faire le nécessaire pour que cela soit possible. D'accord. Parce que pour nous, c'est important que nos aînés, nos dévancés soient là avec nous, à nos côtés. D'accord, dans les différentes actions qui nous encadrent, qui nous accompagnent, qui nous guident, etc., etc. Donc, on espère que les amis, ce live a été excellent, en tout cas à votre niveau. Nous, moi personnellement, j'ai pris un plaisir à l'animer. Donc, voilà, on va se laisser. Donc, on va dire merci, 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 merci. Comme on dit en Swahili, à santé, sana, à notre invité, à Mama Zama, à toute la famille, à tous ceux également qui ont permis de près ou de loin, de rendre ce moment possible. On vous salue, on vous remercie énormément pour cela. Merci encore, merci à la structure Afrocentricity, l'organisation Afrocentricity. Merci à ce que tu fais. Merci, merci pour tes efforts, merci pour ton combat. Merci, merci, merci. C'est notre combat. Super, super. Okay. Merci encore. Au tep, au tep, au tep. Que les ancêtres continuent de t'apporter cette force-là. Merci. La santé, ça. La santé, ça va. Voilà, 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 les amis. Donc, on va se laisser, d'accord. On va se laisser, d'accord. Voilà. Je n'ai plus rien à rajouter, d'accord, parce que tout a été dit. Je la remercie encore du fond du cœur, tellement ce live a été excellent. Le courant est tout de suite passé. Une fluidité dans le discours. Synchronicité, c'est ça, c'est ce qu'on dit, hein, d'accord, dans la façon dont le live ce soir a été mené, et c'est la preuve que nos ancêtres nous ont accompagnés, c'est la preuve que les libations ont été acceptées, c'est la preuve que tout a été accepté. Voilà, merci à tout le monde. On se retrouve, les amis, dimanche, d'accord, au temple Kemit, Père Ankma Diotiaseta de Paris, venez faire ce que vous avez à faire pour nos ancêtres, venez faire ce que vous avez à faire pour nos divinités, venez simplement jouer votre rôle, venez apporter vos énergies à nos ancêtres, à nos divinités. En tout cas, je pense que beaucoup de points d'ombre ce soir, peut-être dans l'esprit de certains, ont été levés, parce qu'il faut toujours que des anciens valident des choses pour que beaucoup acceptent cela. D'accord. C'est pour vous dire, les amis, que faut pas hésiter souvent à écouter, à méditer, et il faut pas tout de suite refuser les choses parce que des gens vous ont dit de refuser. Non, il faut prendre le temps de poser le pour et le contre, de comprendre les choses, d'accord. Et puis d'agir. En tout cas, merci à tout le monde. Passez une très bonne soirée, d'accord. Merci pour votre présence, merci pour vos soutiens. N'hésitez pas à soutenir Mama Zama en achetant ses livres. N'hésitez pas à donner une part, en tout cas, pour le temple en Côte d'Ivoire. N'hésitez pas également à soutenir le temple Kemit à Paris. Quelqu'un disait, est-ce qu'en Europe, on a des temples Kemit? Bon, j'imagine que c'est quelqu'un qui découvre la chaîne pour la première fois. Vous êtes sur une chaîne, justement, d'un temple Kemit et on mettra
tout en œuvre pour que notre doyenne, notre maman Amama Zama vienne au temple kémite. D'accord. D'ailleurs, elle a appris récemment l'existence d'un temple kémite à Paris. C'est aussi la preuve que ce n'est pas vulgarisé dans le peuple noir. Hein. Ce n'est pas vulgarisé. Beaucoup ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils ont peur de dire bon, religion, ils en ont peur. Mais je pense que si les gens se pencheraient plus sur cette question-là, le temple en Côte d'Ivoire serait fini il y a très longtemps. Elle-même l'a dit au sein même de son équipe, ça crée un clivage. D'accord ? Donc, c'est ce que nous vivons aussi. Même si dans notre équipe, tout le monde est clair là-dessus, on est focus, on a le même objectif, la même vision. Ceux qui n'étaient pas d'accord ont pris leur chemin. Mais heureusement, bon, ce n'était pas des personnes importantes, entre guillemets, même si tout le monde est important, mais ce n'était pas, je veux dire, à la tête. D'accord ? Donc, ça n'a pas eu un impact au niveau de la tête. Tout le monde a compris tout de suite le projet et tout le monde a validé tout de suite le projet de temple, de religion, etc. Donc, voilà. Merci à tout le monde. Dormez bien et puis on se retrouve le dimanche au temple. Venez nombreux, 256 avenue Aristide Briand à Bagneux. En tout cas, pour l'instant, pour ceux qui vont suivre ou voir cette émission des mois plus tard, sachez que pour l'instant, on est au 256 avenue Aristide Briand. Ça changera bientôt peut-être, d'accord, pour un endroit beaucoup plus grand, beaucoup plus important pour nos ancêtres. Mais en tout cas, sachez que pour l'instant, on est au 256. En tout cas, aujourd'hui, 16 septembre 2022, nous sommes toujours au 256 avenue Aristide Briand, RER B, à Bagneux, les amis. Ce n'est pas loin, c'est juste à côté. Merci à tout le monde. Allez, ciao. Aussi, Kumoma, que la paix, l'amour, la force de nos ancêtres méritants, Maba Bouzetou Azouri, vous accompagne, les amis. Merci, ciao. Ciao, ciao. Merci à Myriam qui nous a permis de réaliser cette émission. Merci à la fille d'Amama Zama. Merci à tous ceux qui ont contribué justement à cela. Merci à tout le monde. Allez, ciao.